Voilà, je pense que tout le monde est à peu près en place. Bonjour, bonsoir, merci d'être venus si nombreux. C'est impressionnant de voir cet auditoire rempli pour l'ouverture de ce procès d'Hippocrate qui va vous intéresser, vous passionner, j'en suis sûr. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Béatrice Chade. Béatrice Chade, au CHUV, ici à Lausanne, vous êtes directrice du Centre sur les relations entre patients, proches et professionnels. Et vous êtes également professeur à l'Université de Lausanne, à l'Institut des Humanités en Médecine. Et vous allez répondre à la question essentielle, qui est Hippocrate et surtout pourquoi le juge-t-on ? Cher Hippocrate, je vous propose de vous lever. J'espère que vous me permettrez de... En fait, je vais te tutoyer, Hippocrate. Hippocrate, c'est aujourd'hui le jour de ton procès. Tu as plutôt l'habitude que l'on s'incline devant ta toge, que l'on te cire les cothurnes, que l'on te célèbre, que l'on t'encense. Mais voilà, tout arrive. Aujourd'hui, Hippocrate... Il fallait que ça arrive, autant que ce soit au début. Donc je disais donc, mais voilà, tout arrive aujourd'hui. Hippocrate, nous te jugeons. Et j'ai envie de te dire que d'une certaine manière, tu l'as bien cherché. Certes, comme le relève Pierre-François Lèvera dans son texte qui sera publié dans les cahiers de la dispute, tu es reconnu quasi universellement comme étant le père de la médecine. Même si sans doute cette paternité, excuse-moi de te le dire, Hippocrate, est probablement un peu surestimée. Nous savons que l'impressionnant corpus hippocratique n'est pas entièrement issu de ta plume et que toute une série de savants auraient eux aussi mérité ce titre. Reste que ton apport est d'une richesse que l'on est tenté de qualifier d'inégalée. N'as-tu pas en effet été le premier à établir que la maladie n'était pas d'origine divine, mais purement humaine ? Tu as eu aussi cette géniale intuition de démontrer que la pathologie se reconnaît via des symptômes, qu'il s'agit d'observer très minutieusement pour tenter d'en trouver l'origine et partant en déduire la thérapeutique la plus adéquate. On te doit également le fait d'avoir élevé la médecine au rang de science, excluant dès lors les charlatans qui, jusqu'à toi, pouvaient, par quelques potions, décoctions ou incantations, s'instituer médecin. Nous te devons donc rien de moins d'avoir inventé la médecine, exigeant un long apprentissage et d'authentiques connaissances pour en garantir la qualité, de l'encadrer par des règles de bonne pratique. Ta renommée est telle qu'elle a traversé 26 siècles jusqu'à nous, jusqu'à ce 16 novembre 2024 et ce palais de Beaulieu. Pour tout cela, cher Hippocrate, félicitations. Dès lors, me diras-tu, mais pourquoi me juge-t-on ? Pourquoi m'avez-vous traîné jusqu'ici devant vous ? Mais cher Hippocrate, si tu es aujourd'hui devant nous, c'est qu'au fond, nous nous posons cette question délicate. Ne nous as-tu pas un peu trompé en nous vendant des illusions ? Y a-t-il en fait encore une différence entre le magicien d'Oz et toi ? Car enfin, ton serment, devenu le texte fondateur de la profession médicale, consiste en l'affirmation d'une éthique médicale humaniste et indépendante, censée encadrer toute la réflexion, l'action et la vie du médecin. Rien de moins. Mais Hippocrate, dis-nous, que reste-t-il en 2024 de ton héritage ? Quelle est encore la place dévolue aujourd'hui à l'humanisme en médecine que tu as placé au cœur de la pratique et qui devait, selon toi, lui assurer son essence tout autant que son sens ? Ne nous as-tu pas, par ton serment, chargé d'entretenir un héritage d'un poids colossal, nous confiant une tâche quasi insurmontable ? Les médecins, les soignants d'aujourd'hui, emprisonnés dans la technostructure et le développement de pratiques toujours plus complexes, ont-ils encore le loisir de déployer leurs pratiques selon tes beaux préceptes ? Avant tout, ne pas nuire, dis-tu. Certes, mais qu'est-ce que nuire ?
Qu'est-ce que ne pas nuire ? Soigner le lien, peut-être, mais exiger des professionnels qu'ils offrent une pratique teintée d'humanisme alors que la médecine s'est fragmentée, qu'elle s'est surspécialisée et qu'ils sont désormais entre 40 et 70 à se relayer au chevet d'un même patient. Toi, Hippocrate, avais-tu affaire à ton époque à Tarmède, au DRG, ces systèmes de rémunération qui contraignent le geste médical et qui ne laissent qu'une place congrue à cet humanisme que tu exiges. N'était-ce pas un peu facile de poser cette exigence ? Combien de patients un médecin auscultait-il à ton époque ? Un par semaine ? Deux par semaine dans les coups de gros stress ? Le temps n'était ni compté, ni comptabilisé. Le médecin maîtrisait son activité selon son bon vouloir. Et puis, en affranchissant la maladie de son origine divine, n'as-tu pas fait du médecin un dieu terrestre ? Seul détenteur d'un savoir qui, à ton époque, n'était pas réparti entre différents spécialistes. Les praticiens de ton école hippocratique n'avaient pas, sauf erreur, à consulter l'expert du genou gauche ou du lobe droit pour poser leur anamnèse. Ils étaient seuls maîtres à bord. Dans cette prise en charge, ils se royaumaient, si l'on peut dire, légitimes, incontestés. De surcroît, ils avaient le temps. Ils ne faisaient pas face, comme aujourd'hui, au débit incessant de malades et de consultations. Et leurs patients, ne leur offraient-ils pas le plus total respect ? Rappelle-moi, Hippocrate, venaient-ils parfois les consulter après avoir cherché à poser leur diagnostic, par exemple, en sollicitant ChatGPT ? ChatGPT, tu vois ce que c'est, Hippocrate ? Hippocrate, soyons francs. Aujourd'hui, ton évocation nous rappelle douloureusement notre idéal, mais il souligne surtout nos impuissances. Il éclaire nos limites. Quand il ne génère pas une insondable culpabilité de ne pas être celui que tu fus, d'avoir perdu en route ce que tu décrivais comme étant indissociable de la pratique médicale. Pour tout cela, cher Hippocrate, et bien d'autres accusations dont tu vas entendre le détail ce soir, nous avons pris la liberté de te juger. Nous serons sans concession, car enfin, n'y a-t-il rien de plus agréable pour nous, simples mortels, que d'accuser l'autre de ses propres faiblesses. Bon courage et bon procès. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. Mesdames et messieurs, la cour. Prenez place, je vous en prie. Le tribunal criminel de Beaulieu prend séance à 18h29 pour instruire et juger la cause dirigée contre Hippocrate. La cour est composée de Myriam Mazou, assistée de l'expert Yanis Papadaniel et du public fonctionnant comme jury. Le fauteuil du ministère public est occupé par Monsieur le procureur Michael Stauffacher, qui est assisté par l'expert Nicolas Sen. À la défense, je constate la présence de Maître Mélissa El-Kaïm, qui est assistée par l'expert Philippe Eguiman. Je constate enfin la présence de l'accusé, Hippocrate, qui ressemble à s'y méprendre à Bertrand Kiffer. Accusé, levez-vous, s'il vous plaît, afin que je procède à votre identification. Vous êtes bien Hippocrate ? Oui. Quelle est votre année de naissance ? 460 avant Jésus-Christ. Vous êtes bien conservé.
Quelle est votre profession ? Je suis médecin et philosophe. Votre domicile ? Je viens de l'île de Kos, en Grèce. Et sinon, j'ai un domicile pas très fixe. Très bien, je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. En dernier lieu, je constate la présence du jury, c'est-à-dire vous, mesdames et messieurs. Jury à l'attention duquel je vais donner quelques explications afin que vous puissiez exercer la fonction qui sera la vôtre aujourd'hui. Tout d'abord, sur le déroulement du procès. Vous avez reçu un exemplaire des actes du procès en entrant dans la salle. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les consulter sur le site internet de disputons-nous.ch. Tout d'abord, je vais vous donner un résumé de l'acte d'accusation. Je précise d'emblée que l'accusation fixe le cadre des débats. C'est-à-dire que l'accusé ne peut pas être condamné pour autre chose que pour les faits qui figurent dans l'acte d'accusation. Puis, je résumerai le mémoire de défense. Ensuite, nous passerons à l'audition de l'accusé. Les membres du jury, c'est-à-dire vous, auront la possibilité de poser quelques questions à l'accusé. Seulement à l'accusé. Nous passerons ensuite à l'audition des témoins. Pour des raisons de timing, la possibilité de poser des questions aux témoins ne sera pas offerte au public. Donc vous pouvez poser des questions à l'accusé, mais pas aux témoins. Ensuite, nous arriverons à la fin de ce que l'on appelle la phase probatoire, et il sera passé aux plaidoiries de l'accusation, puis de la défense. Comme le veut la loi, l'accusé, Hippocrate, aura la possibilité de s'exprimer en dernier lieu. Je clôturerai alors les débats en lieu et place d'une délibération à huis clos. Nous passerons au vote du jury par le biais des questions qui vous ont aussi déjà été transmises ou que vous pouvez retrouver sur le site de disputons-nous.ch. Ensuite, je prononcerai le verdict. Je vous rappelle que le jury doit rester neutre et impartial. Il doit s'abstenir de manifester soutien ou désapprobation sous peine de risquer une demande de récusation, ce qui compliquerait passablement les choses. En tant que présidente de cette cour, il m'appartient également de faire la police de l'audience. Je vous remercie donc de mettre vos téléphones sur le mode silencieux et de vous abstenir de déranger le déroulement des débats de quelque manière que ce soit. Enfin, last but not least, je précise qu'Hippocrate est présumé innocent. Je passe maintenant au résumé des faits de la cause. Je vais commencer par résumer l'acte d'accusation que vous avez sous les yeux et qui fixe le cadre des débats. Donc, comme je vous l'ai dit, on doit s'en tenir aux reproches formulés dans cet acte d'accusation. L'accusé est donc soupçonné de s'être rendu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Cette infraction punit quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique. Il est reproché à Hippocrate, fondateur des principes éthiques de la médecine, de n'avoir pas assuré le suivi de ses propres enseignements. En somme, il lui est reproché d'avoir abandonné ses enfants, soit les médecins qui lui ont succédé. Cette négligence fautive aurait, selon l'accusation, conduit à des dérives dans le comportement de certains médecins. D'après l'acte d'accusation, Hippocrate aurait ainsi fautivement laissé certains médecins prêter plus d'intérêt aux aspects économiques et technologiques de leur activité qu'à son incidence sur la qualité de vie des patients et à leurs besoins. L'accusé aurait ainsi fautivement toléré que les médecins se contentent du système de tarification à l'acte au détriment de leurs relations personnelles avec leurs patients. Hippocrate est également accusé d'avoir fautivement laissé la pénurie de soignants s'installer et d'avoir omis de promouvoir une meilleure collaboration entre les médecins et les autres professionnels de la santé. En s'abstenant d'intervenir pour prévenir ces dérives, le prévenu est accusé d'avoir failli à son devoir d'assistance ou d'éducation, mettant ainsi en danger l'intégrité éthique et psychologique de générations de médecins. Je passe aux mémoires de défense. La défense plaide l'acquittement d'Hippocrate, affirmant que les valeurs et principes éthiques que l'accusé a établis, tels que le respect du bien-être des patients, restent au fondement de la médecine actuelle. La défense souligne que les médecins sont contraints,
par les valeurs imposées par la société et répondent aux demandes croissantes des patients qui, et là je cite le mémoire de défense, qui ne consultent plus seulement lorsqu'ils sont malades, mais également afin de s'assurer qu'ils ne le sont pas. Pour la défense, il n'y a pas de lien entre le comportement des médecins et celui d'Hippocrate. La défense conclut enfin que les dérives mentionnées par l'accusation sont des cas isolés, non représentatifs de la profession et qui ne justifient pas une condamnation. Je vais passer maintenant à l'interrogatoire de l'accusé. Accusé, je vous invite à rejoindre la barre. Hippocrate, je vous rappelle que vous avez un certain nombre de droits. Vous avez tout d'abord le droit d'être défendu par une avocate, le droit que vous avez exercé puisque vous êtes assisté de Maître El-Khaïm. Vous avez le droit de refuser de déposer et de collaborer, donc le droit de vous taire. Si vous parlez, vos déclarations peuvent être utilisées comme moyen de preuve. Avez-vous compris vos droits ? Oui, j'ai compris. Et voyant l'Assemblée, la foule de l'Assemblée, je vais quand même parler. Vous êtes donc disposé et en mesure de répondre aux questions. Admettez-vous les faits dont vous êtes accusé ? Absolument pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous résumer brièvement la teneur de vos enseignements ? Alors, pour la cour qui n'était pas présente, la teneur de mon enseignement a été bien résumée par Béatrice Chade tout à l'heure, même si elle y a ajouté quelques pics très incongrus, malvenus et inventés. Mais mon enseignement, c'est vrai, tout ne vient pas de moi. C'est une école, c'est un groupe de personnes qui ont fait émerger une pensée qui a joué un très grand rôle, parce qu'avant moi, une certaine pratique médicale a existé, elle existe probablement depuis qu'il y a des humains, c'est une des choses qui caractérise l'être humain, mais tout d'un coup, là, elle s'est organisée autour d'une éthique, autour d'une rigueur, autour d'une rationalité, et ça a fait vraiment quelque chose de très fort qui a marqué l'histoire de l'humanité et qui a construit la médecine. Et cet esprit-là, et je ne parle pas de la lettre en particulier du serment d'Hippocrate, mais de l'ensemble du corpus hippocratique et de l'esprit qu'il porte, cet esprit a vécu jusqu'à maintenant. Donc vous estimez que l'esprit de vos enseignements perdure jusqu'à aujourd'hui ? Ah oui, je ne l'estime pas, j'en suis sûr. Je vais donc vous remercier pour vos réponses. Je vais passer la parole au ministère public pour ces questions. Je vous remercie, Madame la Présidente. Hippocrate, tout d'abord, je vous remercie de nous faire l'immense honneur de votre présence. Ça faisait longtemps qu'on vous attendait. Merci. C'est vrai que j'ai dû traverser les siècles et les âges, mais je suis ici avec grand plaisir. Eh bien, j'en suis heureux. Est-ce que la recherche du profit et les questions de rentabilité faisaient partie des valeurs qui étaient les vôtres à l'époque ? Alors, d'abord, appelez ça des valeurs, mais je ne vois pas d'où vous sortez cette philosophie des valeurs. Non, j'ai promu une philosophie, justement, qui mettait le bien des patients au centre, qui cherchait à vraiment leur apporter quelque chose, à ne pas leur nuire, à les respecter, à respecter le secret médical, d'autres choses d'ailleurs qui persistent encore, le secret médical, pas seulement en tant que secret, mais tout ce que ça signifie, donc de respect de ce que les gens confie à d'autres lorsqu'ils sont souffrants, malades. Et donc cette espèce d'intimité, tout ça, c'est ça le cœur de mon message et de ma philosophie, de mon esprit. Maintenant, je ne sais pas de quoi vous parlez avec votre profit. Alors évidemment que maintenant, mes enfants, puisque c'est comme ça que je les appelle, qu'on les appelle dans cette cour, ce sont des personnes comme d'autres aussi qui vivent insérées dans la société, qui gagnent leur vie, qui sont obligés d'être rémunérés pour ce qu'ils font. Mais il n'y a pas là de course au profit particulière. J'aimerais qu'on affiche ma pièce numéro 1, s'il vous plaît. En plus, c'est une langue. Alors, par le grec. Alors, j'allais vous demander si vous pouviez me traduire cela. Non. Déjà,
Non, mais je refuse de répondre à cette question très, très mal. Notez très malvenue. Là, il faut la laisser afficher, peut-être, quand même, la pièce. Merci. Cette pièce, c'est un article du Tagesanzeiger qui est paru le 1er septembre 2024, donc il n'y a pas de cela très longtemps, et qui fait suite à un manifeste qui a été rédigé par l'Académie de médecine humaine, composée de différents chefs et directeurs d'hôpitaux, de responsables de services de soins, et je vous fais la traduction. La décence a été perdue. Der Anstand ist verloren. On nous dit dans cet article, et encore une fois, c'est les médecins eux-mêmes qui le disent, notamment que des salaires allant d'un demi-million à plus d'un million de francs sont monnaie courante dans les hôpitaux publics, que cela n'a plus rien à voir avec de la performance, mais avec de la cupidité. Ce système récompense les activités, ce qui entraîne une surabondance de l'offre, et puis on évoque des actes indécents. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Parce qu'encore une fois, on parle de vos enfants, de vos médecins, et c'est d'autres enfants qui disent ça de leurs frères et sœurs. Eh bien, oui, ça montre que mes enfants, ce n'est pas un groupe homogène. Enfin, c'est un groupe homogène, mais c'est un groupe où circule justement un esprit critique et un esprit autocritique, c'est-à-dire critique les uns envers des autres, envers les autres, qui a cette surveillance, au fond, et qu'il y a des abus, qu'il y a des dysfonctionnements, et qu'ils sont dénoncés. C'est très, très important, ça. Mais à part ça, voilà, c'est un des problèmes. Ce n'est pas du tout le problème majeur dans l'époque telle que je la vois du haut de mes siècles, mais c'est un des problèmes, ça. Mais l'autre problème, mais bien plus grave, je dirais encore, c'est l'immense mainmise par tout le système managérial et de profit de ceux qui possèdent la plupart des grands systèmes qui donnent des soins et de tout un tas de choses. Là, il y a énormément de profits aussi de l'industrie pharmaceutique et d'autres. Mais c'est aussi l'épuisement qu'il y a dans ce système. Hein. Ce système ne convient plus du tout à mon esprit. C'est pas mon esprit, heureusement qu'il est là. Mais il ne convient plus. Et une chose extrêmement frappante, c'est qu'il y a un jeune médecin ou un médecin en formation sur trois qui quitte ou qui envisage de quitter la profession alors que tous se sont lancés là-dedans, alors que c'est extrêmement dur, que c'est un engagement immense de faire ces études. Et il y a un tel, pour eux, une telle absence de sens, une telle déshumanisation aussi dans certains aspects de cette organisation managériale, de cette organisation qui essaie complètement de s'orienter vers l'efficience, le profit et tout, que, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. C'est de l'école de Winnicott qu'on parle d'injonction paradoxale. On ne peut plus être un bon médecin ou un bon soignant dans le système de santé actuel. C'est-à-dire, soit on est bien du côté, par exemple, du management de l'hôpital, on fait les choses rapidement dans le temps qui est prescrit, imparti, on va vite, on ne parle pas trop aux patients et tout, et on a l'impression, et on est un mauvais soignant, soit on suit l'éthique, on suit mon enseignement, mon esprit, et là, on se sent bien, on a l'impression qu'on fait un bon travail, mais on est extrêmement mal vu, et à la limite, on est rejeté par le système. C'est ça le vrai scandale au cœur actuellement du système, c'est que ça broie des tas de gens, et particulièrement des jeunes, qui porte mon esprit, mais ça, ce n'est pas le fait de quelques dérapages de salaires qui sont d'ailleurs eux-mêmes le fruit d'un système complètement désemparé, désorganisé. Mais je suis désolé, ce système, ce n'est pas mon esprit. Je rappelle que le public est censé devoir être neutre et impartial. Je vous remercie. Moyen sur la partialité. Ouais, non, mais vous pouvez comme le faire, hein, je veux dire. Ça fait quand même du bien. Ah ouais. Monsieur l'accusé, vous êtes arrivé ici libre. Ah, pardon. Madame la présidente. Je rebondis sur ce que vous dites. Parmi, finalement, dans le cadre de ce système managérial, les directions d'hôpitaux, etc., etc., n'y a-t-il pas aussi des médecins? Oui, mais alors heureusement qu'il y en a, parce que le truc. Voilà. Ah ben ouais, parce que il y a une chose dont il faut se rendre compte, c'est que le système de santé dysfonctionne, va pas bien, est en crise, tout ça, vous le savez.
Mais ça pourrait être pire. Et non, mais oui. Et heureusement qu'il y a des médecins. Heureusement qu'il y a des médecins qui sont là. Les hôpitaux, maintenant, on ne se rend pas compte, ils sont gérés par des logiciels, d'ailleurs, qui sont conçus par des multinationales du big data, du big tech, et qui sont les mêmes logiciels, d'ailleurs, qui gèrent l'ensemble de l'industrie. Vous savez, les hôpitaux et bientôt tous les soins, c'est géré comme le reste de tout le fonctionnement de la société, comme une économie, comme une autre. Heureusement qu'il y a des médecins qui essayent, ils font ce qu'ils peuvent, de lutter contre tout un système, et qui, évidemment, va aussi au niveau politique, parce qu'au niveau politique... Il y a un gros problème, c'est quand même le pourquoi est-ce qu'on en est là avec certains de ces abus et tout, parce que le politique ne veut rien entendre autre que concurrence, compétition. Toutes les études, je les vois moi depuis mon ciel, c'est vrai que je suis en attente de jugement, mais je les vois, toutes ces études qui montrent que la concurrence, ça n'améliore pas le système de santé, qu'il faut penser le système. Ça sert à rien d'augmenter la concurrence. On parle de toyotisation des soins dans les hôpitaux. Ouais. Mais Toyota, on sait ce qu'ils font, Toyota, ils font des voitures. Mais ça produit quoi un hôpital? Ça produit quoi un système de santé? C'est bien difficile de répondre ce que ça produit. Ça produit même pas forcément de la guérison, ça produit des soins. Et c'est une espèce de produit culturel. C'est pas possible de mettre ça dans un système simplement commercial. Or, c'est devenu un système commercial. Mais heureusement qu'il y a mon esprit pour racheter un peu ce commerce. Mais Hippocrate, en étant honnête... Ben, je suis honnête. Voilà, ouais. Oui, je sais, mais laissez-moi finir ma question. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez affirmer qu'en politique, les médecins défendent ce que vous dites? Alors, oui... Non, mais c'est une bonne question. Comme philosophe médecin, je ne suis pas totalement compétent pour y répondre, mais il y a évidemment aussi dans la politique toutes sortes de mouvements qui traversent les médecins qui font de la politique, leurs représentants. Je ne dirais pas qu'ils vont tous dans le sens de l'esprit d'Hippocrate. Je ne sais pas ce qu'on penserait mon expert qui se trouve là à ma droite. Mais disons, je pense quand même qu'il y a chez eux le souci aussi d'un bien commun qui n'apparaît pas partout, mais le souci quand même du bien des patients. C'est pas facile de savoir comment faire pour que ça marche mieux. Et il y a quand même une vraie réflexion là sur comment organiser ce système de santé, mais avec des différences, avec des tensions. J'essaie d'y mettre un peu de mon esprit, j'essaie de le souffler à droite, à gauche, mais il n'est pas toujours celui qui domine. J'ai une question piège pour vous. Ah, mais vous pouvez passer à la suivante. Hippocrate, que pensez-vous de l'égalité des sexes dans les professions médicales? Je vous rappelle que vous avez 2500 ans. Eh oui, mais quel bonheur! Je veux dire, il y a 2500 ans, mais c'était vraiment triste qu'il y ait si peu de femmes impliquées ou que quand elles le soient, elles l'étaient dans des zones marginales de la médecine. Les femmes se sont toujours occupées des autres femmes et elles ont toujours eu des rôles. Mais quel bonheur qu'il y ait une vraie féminisation et une féminisation massive, et puis pas seulement une féminisation. Vous savez, on dit même qu'il y a non seulement une féminisation parce qu'il y a plus de femmes, mais il y a une féminisation parce que les médecins se comportent davantage comme des femmes. Et en particulier, un des grands aspects des femmes, c'est qu'elles veulent travailler à temps partiel, et maintenant on voit les médecins mâles, pour employer un terme un peu biologique, les médecins mâles qui veulent aussi travailler à temps partiel. Donc il y a quelque chose, il y a un vrai mouvement là qui enrichit la médecine. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez encore beaucoup de questions? Je cède la parole à la défense. Très bien, alors vous êtes sûr? Alors je passe la parole à la défense et j'invite peut-être à l'accusé de répondre de manière un tout petit peu plus succincte si c'est possible. Ah pardon. Non mais ouais. Vous savez, à mon époque, on était des rhéteurs. Moi, je suis un très mauvais rhéteur. Il y avait aussi Aristote, Socrate, enfin, ils étaient tous des copains presque. Hein, mais voilà. Cher client, je propose que vous laissiez la parole à votre conseil.
Alors d'abord, moi aussi, je vous remercie d'être présent et je plains, monsieur le procureur, s'il ne sait pas voir et s'il ne sait pas voir que vous avez été là tout le long. Mon cher Hippocrate, pouvez-vous me parler de la place de la religion dans votre pratique, s'il vous plaît ? Alors, je dirais, ça a été souligné par Béatrice Chade, une des principales choses que j'ai faites, ça a été de sortir la pratique médicale de ses aspects religieux, de toutes sortes de croyances qui l'entouraient, qui la cernaient, de charlatanisme, de magie et tout. Et ça a été une tâche très importante. Et donc ça a fait de la médecine quelque chose qui reposait sur une éthique, et même plus que sur une éthique, sur une anthropologie, et non pas sur des croyances religieuses. Et on ne pensait plus que la médecine, que la maladie venait de pratiques religieuses mauvaises ou de choses comme ça. Ça a été un énorme progrès. Quant à moi, je ne me suis pas prononcé contre la religion. J'étais moi-même un enfant de la famille des Asclépiades, hein, je descends d'Esculape, hein, ça ne se voit pas au premier regard, mais ce qui est important, c'est cette séparation des pouvoirs. Ouais. Merci. Pensez-vous que l'évolution de la société a corrompu la médecine telle que vous l'avez souhaitée ? Oui. Mais la société elle-même est prise dans un mouvement incroyable de progrès, par exemple de consommation. Autrefois, on consommait des objets autour de nous, jusqu'à il y a très peu de temps, et de plus en plus, avec les progrès de la biomédecine, on peut se consommer soi-même, on consomme nos corps, on peut augmenter nos corps. Et ça a fait sauter toutes sortes de barrières, on ne sait plus où se trouve la santé, la maladie, l'augmentation. Et tout peut être augmenté, ça met un énorme trouble dans la médecine, dans ses buts anciens. Et les gens, ils ont énormément de force marketing qui les pousse à consommer ce mieux-être qu'ils estiment être du mieux-être. Or, on ne peut pas avoir plus de santé qu'une bonne santé équilibrée, mais bon. Et ça corrompt la médecine. Oui, ça corrompt parce qu'il y a une énorme demande, mais qui est aussi d'ailleurs une demande religieuse. On vit une époque où il y a un affaiblissement, un effondrement même des religions constituées, mais les gens ils doivent toujours affronter la maladie, la souffrance, la finitude, la mort. Et ils viennent voir la médecine sans cesse pour être rassurés là autour, pour avoir un discours, pour avoir aussi un lieu qui n'est pas simplement un lieu économique où ils sont regardés, ils peuvent livrer leur intimité. Mais en même temps, ils recherchent dans la médecine une espèce de santé parfaite. Donc il y a une demande religieuse des gens. Moi qui ai essayé de sortir la médecine de la religion, eh ben, la société elle voudrait que la médecine maintenant soit une religion qui lui amène une espèce de vie qui a un sens. Ouais. Alors en ce sens, elle a corrompu la médecine. Ouais. Merci. Je suis un peu long, hein, je m'en rends compte, je suis désolé. Oui, si vous n'êtes pas coupable, vous êtes en tout cas un petit peu bavard, c'est vrai. Je suis coupable d'être bavard. Quel œil gardez-vous sur vos enfants aujourd'hui et avez-vous l'impression qu'ils sont des enfants gâtés ? Alors, non, des enfants gâtés, en tout cas pas. Alors, bien sûr, il y a une frange de gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui se promènent en grosses voitures et tout. Mais quand je vois, en particulier toute la jeune génération et tous ceux qui portent quand même notre système, une immense majorité, c'est dur. Il y a des burn-out. Les suicides sont plus importants, il y a davantage de suicides. Philippe Guimann m'a montré des chiffres, c'est 40% de plus de suicides dans les professions médicales que dans les autres professions, et les burn-out aussi sont vraiment nombreux. Appelez ça des enfants gâtés, je ne dirais pas. La société ne veut plus voir la société de performance et de réussite, de jeunisme, elle ne veut plus voir que tout le monde vieillit, tout le monde a des problèmes et que tout le monde finit par mourir. Et c'est la profession médicale qui doivent se taper, se coltiner, je ne sais pas, j'emploie pas des bons mots, cette immense souffrance. Et avant, elle était portée par les gens. Maintenant, on voit même de la violence qui augmente dans pas mal de pays envers les soignants, parce qu'il y a un rapport d'amour-haine envers ces gens qui ont un pouvoir. Donc, des enfants gâtés, j'emploierai pas ce terme. Non. Merci. Et dernière question pour vous, cher client. Elle sera simple. Êtes-vous fier de vos enfants ? Ben ouais, je suis fier de mes enfants. Ouais. Ben je pense qu'ils sont, dans un monde extrêmement difficile, extrêmement paumé, je pense qu'ils sont la pointe avancée de l'humanité. C'est-à-dire, justement, ils doivent se poser les questions concernant les limites de l'humain.
avec toutes les technologies qu'il y a, et ils doivent gérer ça. Et puis, ils doivent aussi porter ce fardeau de la souffrance. Ils sont plus seuls que jamais pour le faire. Et protéger à l'intérieur de ça une anthropologie, c'est-à-dire une vision de l'humain qui tienne compte de la vulnérabilité des gens et qui ne soit pas juste celle de la performance. Donc, oui, je suis fier. Ouais. Merci. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Nous allons donc passer aux questions du jury. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a des questions ? Si c'est le cas, vous pouvez lever la main et quelqu'un viendra vers vous avec un micro. J'aimerais savoir, Hippocrate, pardon ? Oui. Je dois aller... Non, pardon. J'aimerais savoir, allez-y. Hippocrate, si c'est bien toi qui as écrit ce que je vais lire. Qui veut chercher à appréhender correctement la médecine doit faire ce qui suit. D'abord considérer, à propos des saisons de l'année, les effets que chacune d'elles est capable de produire. Donc ça veut dire les effets positifs ou utiles et les effets négatifs. Ensuite, c'est la première partie de ce livre, donc Hippocrate, eau, air, lieu. Et tu continues dans la deuxième partie avec l'anthropologie où tu expliques des habitudes. Tu dis il y a des différences qui sont dues soit à la nature, donc les vents, etc., soit à la coutume. Je dirais à leur propos ce qu'il en est. Et il prend l'exemple des macrocéphales. Ce sont donc une pratique, une coutume dans un peuple qui, dès l'enfant est né, on tourne autour de sa tête des bandes pour allonger la tête. Et dans le but que ces têtes allongées soient reconnues comme plus importantes que les têtes normales. Et tu vas plus loin, tu vas beaucoup plus loin, parce que tu dénonces une autre pratique. Alors, en Europe, il y a un peuple skite demeurant dans les environs de Paulus Météoïde. Chez eux, les femmes montent à cheval, tirent à l'arc, lancent le javelot depuis leur cheval, livrent bataille aux ennemis tant qu'elles sont vierges. Or, elles ne quittent la virginité que lorsqu'elles ont tué 3 ennemis. Et elles ne se marient pas avant d'avoir accompli le sacrifice conforme à la coutume. Pardon, j'ai peur, monsieur le membre du jury, voilà, que la question soit plus longue que la réponse. La question, est-ce que Hippocrate a écrit qu'il y a une différence entre la physis, entre ce que produit la nature comme maladie, et ce que les peuples se font eux-mêmes aux gens ? Est-ce que aujourd'hui, vous souhaitez répondre, monsieur le président ? Oui. Oui. La pollution de l'air, la pollution en général. Mais moi, c'est vrai que s'il y a une déception que je peux avoir, c'est que j'ai été très sensible à la nourriture, j'ai été très sensible à l'environnement aussi, et ça a passablement disparu pendant bien des siècles, et je suis très heureux de voir que ça revient autour de la médecine, ça se réintègre davantage dans la médecine. Et puis quant aux pratiques, ce serait intéressant de voir les pratiques qu'on a chez nous. Je ne sais pas, la médecine esthétique, par exemple, vous voyez, la chirurgie qui pourrait paraître pratiquement comme un allongement de crâne à certaines autres époques, vous voyez. Nous, les humains, on est très étranges. Mais disons, j'ai fait toutes sortes de réflexions sur tout ça qui vont un peu dans tous les sens, mais l'essentiel de l'esprit se situe quand même ailleurs. Ouais. Ça, c'est un peu des anecdotes. Voilà ma réponse. Merci, monsieur Lacuzzi. Je crois qu'il y a d'autres questions. Beaucoup d'autres même. Merci beaucoup. J'ai une question à M. Hippocrate. J'ai cru comprendre votre postulat qui consiste à dire qu'il est important de réhabiliter la relation de patient à médecin. Est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité de dérive paternaliste dans le sens où cette relation peut mener à des abus de pouvoir, une relation de dépendance face à une autorité qui serait détentrice d'un savoir tout puissant. Est-ce que vous ne voyez pas là un risque, un danger face à ce postulat ? C'est sûr que c'est un risque, un danger, sans cesse, parce qu'il y a une asymétrie de pouvoir et de savoir entre le soignant et le soigné, et que
J'y étais attentif, peut-être pas assez, certainement même pas assez. Je suis très heureux de voir que mon esprit s'est développé dans une attention accrue à ça, de sortir du paternalisme, mais que ça, c'est un effort qui est toujours à maintenir, ouais, parce que c'est jamais vraiment gagné. Que c'est très, il y a un pouvoir à soigner, il y a un pouvoir de connaître plus que l'autre, et ne pas exercer ce pouvoir pour prendre le pouvoir, pour avoir de l'emprise, c'est c'est une exigence continue. Et si on n'a pas cette exigence, à part ça, s'il n'y avait pas l'esprit justement hippocratique, il y aurait des formes de pouvoir qui pourraient vendre d'ailleurs des choses qui sont inutiles. Donc le paternalisme, c'est une chose très très importante à considérer. Et il y a un combat, il n'est jamais gagné. Merci. Une autre question ? Bonjour, monsieur Hippocrate. Une grande partie de l'acte d'accusation porte sur des questions financières et donc, de manière indirecte, sur l'explosion des coûts de la santé. Quels sont les facteurs principaux qui empêchent une transition plus appuyée vers la prévention qui, a priori, pourrait être moins chère ? Alors, c'est évident qu'on ne fait pas assez de prévention. C'est une évidence crasse, hein. Même si on en fait, et Philippe Guimard nous rappelait d'ailleurs dans un document qu'il nous a donné à quel point les médecins font de la prévention. Quand on dit qu'il n'y a pas de prévention, mais ils en font. Il y a toutes sortes d'actes qu'ils font qui sont des actes de prévention, parfois pas rémunérés, ils les font comme ça. Mais il faudrait qu'on en fasse beaucoup plus. Cela dit, c'est les gens aussi qui insistent pour avoir, d'abord qui ont peu d'affinité pour la prévention, les politiciens, chez nous c'est un vrai problème politique, enfin chez nous, chez vous, hein, parce que moi je viens de Grèce, Mais c'est les gens qui veulent être soignés, qui veulent ce toujours plus, qui veulent cette consommation. L'esprit de simplement cette volonté de profiter du pouvoir des technologies médicales, elle est beaucoup dans la population. Et lorsqu'il s'agit de prévention, c'est-à-dire de choses qui ne se voient pas immédiatement dans le résultat, qui sont, c'est comme les questions environnementales et tout ça, c'est un esprit plus difficile à mener et à avoir. Mais je ne crois pas que ce soit les médecins qui retiennent ça. Je pense que c'est plus une ambiance de société. Nous avons encore le temps pour une ou deux questions. Hippocrate, le serment dont vous nous avez fait part est un peu ambigu quant au savoir. Que pensez-vous du partage du savoir entre le patient et le médecin ? Évidemment, je pense que c'est une très bonne chose. Mais c'est une tellement autre époque, il faut vous mettre à mon époque, il y a 25 siècles, qui était une époque vraiment... tout d'un coup, là d'ailleurs, au moment où ce siècle-là, où toutes sortes de grands esprits émergent, je ne parle pas de moi, hein, parce que, mais disons les autres, ouais, Aristote, Socrate, enfin, etc. Ce n'est pas du tout dans l'esprit du temps, donc c'est bien, il y a une évolution de l'esprit, et ce partage du savoir, en plus, il est super nécessaire, parce que par rapport à mon époque, le savoir s'est tellement complexifié, les maladies sont devenues tellement elles-mêmes complexes et chroniques et tout, que les patients, pour qu'ils gèrent leur maladie, ils doivent avoir aussi le savoir. On ne peut pas l'avoir à leur place seulement. Donc il y a une toute autre configuration, mais c'est vraiment important. Ouais. Je pense que ça va quand même dans le sens de l'esprit d'Hippocrate, ouais. Mon esprit. Je vois que deux membres du jury ont le micro en même temps, donc je propose qu'on finisse avec vous deux, l'un après l'autre, ça... Allez-y peut-être, madame. Alors, et après vous, monsieur. Alors, oui, vous avez dit, Hippocrate, qu'à votre époque, on voyait un patient ou deux par semaine. C'est Béatrice Chatte qui l'a dit à ma place, mais c'est faux, on en voyait plus. Non. Oui, mais combien ? Et aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup changé. Et je me demandais ce que vous pensiez de l'évolution de la temporalité dans les soins et puis de son rapport avec le profit ou le rendement. Mais c'est sûr que les soins, ils sont devenus beaucoup trop minutés, beaucoup trop courts. Enfin, les rencontres entre soignants et soignés, beaucoup trop courts. On est là dans une forme d'appauvrissement. Alors que les gens, justement, ils ont aussi besoin de parler de choses extrêmement difficiles, complexes. Ils ne sont pas seulement juste leurs problèmes. Il y a une étude qui m'a énormément frappé, c'est la principale question dans la consultation en médecine. Même pas seulement le premier cours en médecine. C'est pas « Docteur, j'ai mal au dos, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais derrière, la question, c'est « Docteur, est-ce que vous croyez que c'est grave ? Est-ce que vous croyez que je vais mourir ? Est-ce que vous croyez que c'est un cancer ?» Mais ça, généralement, les gens ne le disent pas. Mais c'est ça qu'ils ont en eux.
Et pour que ça sorte d'une façon ou d'une autre, cette angoisse de la finitude qui nous traverse tous, et qu'on puisse parler de ça, qui peut-être fait mal au dos d'ailleurs, eh ben, il faut du temps. Et eh ben, ce temps, on ne l'a plus, et ça génère toutes sortes de dysfonctionnements et de surcoûts, finalement. Enfin voilà, je m'exprime là encore du haut de mes siècles, mais c'est ce qui me vient en tant qu'esprit d'Hippocrate. Et puis peut-être une dernière question. Alors monsieur, je crois que ça fait un moment que vous attendiez. Oui, monsieur Hippocrate. Ma question est peut-être pas dans le bon sens, je ne sais pas. Je lis les notices des médicaments et les effets secondaires et je me demande si vous êtes au courant, si c'est vous qui dictez la recherche sur les effets secondaires, parce que là on est sorti de la médecine et j'ai même le sentiment que parfois on invente d'abord le médicament et après la maladie parce qu'on est sûr que ça marche. Alors... Oui, mais ça, c'est vraiment une pratique d'une industrie qui a aussi fait des médicaments extraordinaires. Et c'est vrai qu'il y a des molécules qui ont été inventées, dont on voyait qu'elles étaient efficaces sur la biologie, mais il faut qu'on trouve une maladie, qu'on invente presque une maladie pour qu'elle ait un marché. Mais les effets secondaires, eh ben ouais, ben pour qu'on donne le médicament, il faut que les effets principaux, les effets primaires, soit bien plus intéressant que les effets secondaires. Et ça, c'est de l'hippocratisme, hein, de dire d'abord ne pas nuire, mais parfois on ne peut pas soigner sans nuire. Donc, enfin, généralement, d'ailleurs, c'est toute une réflexion qu'on se fait. C'est très étrange, mais en biologie, c'est difficile d'aider sans nuire un peu en même temps. Grande réflexion qui commençait déjà à mon époque et dont on pourrait parler. Voilà. Merci, monsieur l'accusé. Je remercie le jury pour sa participation active et ses nombreuses et passionnantes questions. Le temps est venu maintenant de passer à l'interrogatoire des témoins. Alors, normalement, les témoins n'assistent pas au début du procès, mais bon, nous avons fait une exception ce soir. Donc, on va commencer par les témoins de l'accusation et j'appelle donc à la barre le premier témoin de l'accusation, Vincent Barras. Vous êtes bien monsieur Vincent Barras ? Oui. Pouvez-vous nous donner votre année de naissance ? 1956. Votre domicile professionnel et profession ? Université de Lausanne et CHUV et historien de la médecine. Monsieur Barras, dans la mesure où vous êtes médecin et donc considéré aujourd'hui comme un enfant d'Hippocrate, vous avez la possibilité de refuser de témoigner. Si vous choisissez malgré tout de témoigner, vous avez l'obligation de dire la vérité, étant rappelé que le faux témoignage est passible d'une peine privative de liberté jusqu'à 5 ans. Acceptez-vous de répondre aux questions ? Oui, dans la mesure où je suis historien de la médecine, ce qui est une spécialité de la médecine. Je ne sais pas si on peut la considérer comme entièrement être médecin. Donc vous ne vous considérez pas comme un des enfants d'Hippocrate ? Si, mais un enfant très critique d'Hippocrate. Alors, quelles sont les critiques principales que vous avez à l'égard d'Hippocrate ? Tout d'abord, c'est la première fois que je vois Hippocrate rasé. Comme histoire de la médecine, Hippocrate est exclusivement représenté avec une grande barbe. Pourquoi une grande barbe ? C'est le symbole de la sagesse. On a donc considéré la médecine et les médecins ont considéré de tout temps Hippocrate comme le symbole de la sagesse. Hippocrate, comme il sort de la médecine, on ne sait pas s'il a existé en réalité. C'est un personnage, autrement dit, largement mythique. Donc il y a une référence à Hippocrate dans la médecine contemporaine qui est largement mythique. C'est une façon, au fond, comme il sort de la médecine, de déjà introduire un peu un doute ou plutôt un élément de critique par rapport au système de la médecine qui se considère comme élève ou enfant d'Hippocrate, en espérant, en souhaitant éclairer les aspects, au fond, mythologiques, je dirais presque religieux, on a parlé de religie avant, dans l'idée qu'on peut se faire d'une certaine tradition dans laquelle nous pensons, de laquelle nous pensons provenir. Là, je parle de nouveau comme médecin. Et comme médecin, et comme historien de la médecine, j'essaie d'introduire un peu de doute critique par rapport à cette filiation. Et en tant qu'historien, comment voyez-vous
l'importance qu'a pris le corps médical au fil des siècles par rapport à d'autres médecins de soins, par exemple le personnel infirmier. Alors, l'importance des médecins dans le système de santé en général et dans la société contemporaine, il est extrêmement récent, il ne remonte pas à Hippocrate. Hippocrate, et en particulier le serment d'Hippocrate, c'est une secte, on sait maintenant que celui ou celle qui a écrit le serment d'Hippocrate, ce n'est pas du temps du personnage historique. Donc, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, on sait qu'il n'a rien écrit, en réalité, que le corpus hippocratique, ce n'est pas lui, mais c'est toute une série de médecins qui représentent certes un certain début de rationalité dans la pensée occidentale, pensée occidentale seulement, et pas seulement la pensée globale. Et je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui de se référer à Hippocrate alors que la médecine est devenue globale. La profession de médecin et l'importance qu'elle a prise aujourd'hui, et qui fait l'objet de toutes sortes de critiques, justifiées ou non, c'est 150 ans. Autrement dit, c'est une période très récente par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la culture européenne d'une part, et de l'histoire de l'humanité tout court. Je vous remercie et je passe la parole à l'accusation. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Première question, Monsieur Barras. Est-ce que finalement le discours tenu aujourd'hui par Hippocrate est cohérent par rapport finalement à sa figure historique? Ça veut dire, est-ce que ça vous semble véritablement, les mots utilisés aujourd'hui, vous y avez assisté, bon, est-ce que ça vous semble cohérent par rapport au fait qu'il est censé avoir 2500 ans et puis être parmi nous aujourd'hui? Bon, je pense qu'une partie est cohérente, ou par un aspect c'est cohérent, puisqu'au fond ça représente une idéologie qui est propagée et que l'on voit dans toutes les l'institution médicale, que ce soit les revues médicales, que ce soit l'institution hospitalière, que ce soit la profession médicale dans son ensemble. De ce point de vue-là, c'est cohérent. C'est cohérent avec une habitude de se référer à un Hippocrate, justement le barbu, la sagesse, etc. C'est peut-être moins cohérent, ou le risque d'incohérence guette, je dirais. Je ne veux pas accuser Hippocrate d'être totalement incohérent, mais je dis que les risques d'être Hippocrate se recourent à cette figure quand ça risque de nous faire méconnaître le fait que la médecine, le système médical, il est entièrement intriqué avec, y compris le système contre lequel il semble des fois se battre, par exemple les assurances maladies ou autres. Tout ce système-là, les médecins y ont, depuis un siècle et demi, celui dont je parle vraiment, largement contribué. Et donc aujourd'hui, de prétendre qu'on lutte contre un système, que l'esprit d'Hippocrate s'est perdu, il y a quelque chose qui risque un petit peu le clivage, si vous voulez, entre une idée des bons et les méchants. Et il n'y a pas ni de bons ni de méchants, il y a un système dans lequel les médecins, les fils d'Hippocrate, les enfants d'Hippocrate, dont ils sont largement responsables eux aussi, mais ils sont co-responsables. Ça a été co-construit par les médecins et toute autre force sociale, notamment le système économique. Je vous remercie. En admettant que Hippocrate existe, ce dont vous semblez douter, ou qu'il ait existé véritablement. Il existe dans la façon dont on l'a construit. Voilà, il existe. Dans la façon dont on l'a construit, Dieu existe, puisque nous y croyons. Eh bien, c'est ainsi. Quel regard pensez-vous qu'il jetterait aujourd'hui sur la médecine telle que nous la pratiquons actuellement? Et finalement, pensez-vous qu'il serait, il considérerait qu'elle correspond à ces préceptes qu'il nous a transmis? Ben, je crois qu'on en a une bonne illustration avec les paroles de l'accusé. Je pense qu'Hippocrate, aujourd'hui, 2500 ans après, cette figure mythique que nous avons construite, considère effectivement que la médecine correspond à ce que l'on croit à quoi on l'a assigné depuis le début de son existence. Mais évidemment, ici, on parle d'une médecine occidentale, européenne particulière, c'est méconnaître entièrement l'ensemble des traditions médicales par ailleurs dans le monde. Or, il serait temps, non pas forcément de tous se convertir à la médecine ayurvédique ou chinoise, mais en tout cas de considérer les rapports qu'ils ont, que ces médecines, ces traditions médicales ont sur la surface terrestre, puisque aujourd'hui nous ne pouvons plus parler de médecine occidentale purement, nous devons parler d'une médecine globale.
Je me suis un peu perdu dans mon explication, puisque j'ai fait le tour du monde. Alors, vous pouvez rapporter votre question. Je vais laisser le procureur poser encore une question. Deux grands maximum. Non, je crois que c'est tout. Ok, alors je passe la parole à la défense. Merci Madame la Présidente. Depuis le serment d'Hippocrate, n'y a-t-il pas eu d'autres serments ou d'autres déclarations plus récentes qui s'y réfèrent ? Oui. Il y a eu toutes sortes de déclarations qu'on a d'ailleurs, justement, c'est l'illustration de ce que je viens de dire, qu'on a la plupart rapportées à Hippocrate. C'est le serment d'Hippocrate renouvelé. Il y a eu le serment de Maïmonide, le serment propre au fond à chaque religion monothéiste. C'est intéressant que ce soit les religions monothéistes qui soient référées à des serments. L'islam, le judaïsme, le christianisme, et chacune adaptant la formule originale à, non pas je jure par Esculape, dont nous avons ici un descendant, mais je jure par Dieu le Père, ou par Allah, ou par, par Yahvé, enfin la divinité à laquelle on se réfère. Donc il y a eu effectivement toute une série de serments, de conventions, une des plus récentes étant celle de Genève en 1948, qui a été une sorte de remodernisation de la part des médecins, c'est toujours intéressant ce que ça vient, de la part des médecins de ce serment d'Hippocrate. Merci. Pensez-vous que la majorité des médecins, aujourd'hui, se comportent mal, tel que décrit par l'accusation ? Non, je ne pense pas que la plupart des médecins d'aujourd'hui se comportent mal, tel que décrit par l'accusation. Je pense que les médecins se comportent, au fond, ils font ce qu'ils peuvent dans ce temps. Et effectivement, ils sont le reflet de la société contemporaine, davantage que le reflet d'une idéologie ancienne ou d'une un peu mythologique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut les juger, au sens large, en bien ou en mal, en fonction des critères contemporains et de leur coparticipation au système de santé contemporain. Je vous remercie, je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, Maître El-Khaïm. Merci beaucoup, Monsieur Barras. Vous pouvez retourner parmi le jury, mais vous n'aurez pas le droit de voter, hein, comme témoin. J'appelle à la barre le deuxième témoin de l'accusation, Madame Sophie Michaud-Gigot. Vous êtes bien Madame Sophie Michaud-Gigon ? Puis-je vous demander votre année de naissance, domicile professionnel et profession ? 1975, Lausanne, directrice de la Fédération romande des consommateurs, conseillère nationale vaudoise. Je vous remercie. Quels sont vos liens avec l'accusé ? Vous n'avez pas de lien de parenté avec lui déjà ? Non, je suis patiente et payeuse de primes. Est-ce que dans vos fonctions, vous recevez beaucoup de plaintes de patients ? Oui, et de payeurs de primes. Des plaintes par rapport à la complexité du système, au fait de se faire trimballer, au fait de devoir répéter des choses, au fait de ne pas pouvoir être accompagné, au fait d'une forme de déshumanisation des soins. Et puis, évidemment, d'incompréhension par rapport au remboursement ou au paiement des coûts de la santé. S'agissant plus particulièrement des plaintes des patients, est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit de patients qui sont victimes ou est-ce qu'au contraire, ce sont eux qui mettraient les professionnels de la santé sous pression ? Oui, bien sûr, nous sommes toute une bande d'hypochondriaques. Je vais passer la parole à l'accusation alors pour ces questions. Je vous remercie, Madame la Présidente. Au-delà des problématiques finalement du système que vous évoquez, Madame, et des assurances maladie, et de la difficulté administrative que ça représente, du point de vue des patients, quelles sont les principales carences de la médecine actuelle et donc de la pratique médicale en tant que telle ? La difficulté de trouver une offre de premier recours qui soit
qui soit accessible assez rapidement, qui soit de proximité et qui soit de base. Et ça peut être évidemment un médecin généraliste, ça peut être des pharmacies, ça peut être des infirmiers, des soins à domicile, ça peut être simplement tout un ensemble de choses qui fait que le patient serait pris en charge dès le début et avec une compréhension un peu plus large et globale de la santé que celle auquel on est confronté comme patient aujourd'hui. Je vous remercie. Pensez-vous que la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui peut être qualifiée de durable ? Non, certainement pas. Pour quelles raisons ce n'est pas le cas ? Je pense que la médecine aujourd'hui est le système de santé dans son ensemble, est un système qui contribue à l'augmentation du PIB en Suisse. C'est bien évidemment décorrélé de l'état de santé ou du bien-être. Le PIB, c'est bien connu. Donc, on est dans un système de santé où la logique de croissance est extrêmement forte, où l'interventionnisme est également très fort, puisque c'est celui qui paye. Un exemple tout bête, je ne sais pas, comme patient, vous allez pouvoir avoir besoin de deux ou trois séances d'ostéopathe qui régleraient l'histoire pour un moment. Et puis, vous vous retrouvez devant le choix, soit vous payez vos séances d'ostéopathe, soit vous allez chez un médecin qui vous prescrit des séances de physio. Vous pouvez avoir 10 ou 20 ou 30 séances de physio si ce n'est pas le professionnel dont vous avez besoin. Ces séances ne serviront à rien. Donc, on est quand même dans un système qui est assez inefficient. Vous allez chez l'ostéopathe et puis vous payez ces quelques centaines de francs. Et ensuite, puisque vous avez payé à peu près 6 000 francs de prime sur l'année, vous vous dites c'est quand même un peu le comble, ce serait quand même pas mal que je puisse être suivi. Donc, il y a un biais psychologique qui fait également que les patients sont ensuite insatisfaits du système dans sa globalité. Donc, lorsque on dit des patients qu'ils poussent à une augmentation en fait, des soins, je pense que ce biais psychologique-là doit être pris en compte. La tarification des actes fait aussi que le patient se sent moins accompagné par le médecin qu'il va venir trouver et qu'il se sent davantage comme un produit qui peut... faire partie d'une partie de la rentabilité de la profession ou du système en lui-même. Donc c'est un contrat social qui a été rompu et c'est au détriment des soignants, mais c'est également au détriment des gens qui se font soigner. Donc on est dans cette situation et l'insatisfaction est grande, sans compter également les angoisses pour les personnes qui n'arrivent pas à payer justement les primes ou les frais de santé. Donc on n'est plus dans un système qui est durable. Peut-être une dernière question, monsieur le procureur. Oui, je vous remercie. Est-ce que vous pensez, vous le dites déjà en partie, mais est-ce que vous pensez que le système de tarification à l'acte encourage la production médicale et finalement la fourniture de prestations et l'offre en tant que telle médicale, et par la force des choses, la consommation de celle-ci aussi. Oui, je pense que la tarification à l'acte décuple le nombre de traitements et d'interventions sans que ceci ait pour autant été justifié par la nécessité médicale. Je pense aussi, pour revenir à cette discussion autour du premier recours et autour par ailleurs des spécialistes, que le déséquilibre qui existe entre la médecine, la rémunération de la médecine de premier recours et la rémunération de la médecine spécialiste n'est pas justifié. Je pense qu'elle aussi, elle introduit un biais. Je pense que la structure hiérarchique qui existe aussi dans la médecine et qui perdure fait qu'il y a un besoin de rééquilibrer vraiment pour retrouver le sens même du métier de soignant. C'est une vocation que j'admire, je ne pourrais pas l'avoir, et c'est une vocation qui doit être préservée. Et pour cela, il faut qu'il y ait aussi un rééquilibrage. Aucune personne ne peut justifier de vouloir être millionnaire
simplement parce qu'il fait beaucoup d'études et qu'ensuite, ça doit être rentable. Et si on a quelques cas comme ça, c'est bien dommage pour cette profession. Je pense qu'il y a un rééquilibrage, notamment via la tarification, évidemment, mais pas forcément une tarification à l'acte, puisqu'on en connaît les dérives, est nécessaire. Je vous remercie beaucoup. Maître El-Khaïm, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire, mais ne devez-vous pas admettre que la société dans laquelle nous vivons est une société de consommation, que cette consommation est le souhait de ces individus et que ce consumérisme s'applique à la santé? Oui, et qu'est-ce que cela change-t-il de l'admettre? J'en tirerai les conclusions, ce seront les miennes. Merci. Je remercie la régie de diffuser mon image, s'il vous plaît. Pouvez-vous me lire ce graphique et m'expliquer les conclusions que vous en tirez en termes de proportions, s'il vous plaît ? Je peux reformuler ma question si vous le souhaitez. Pourriez-vous m'indiquer... Maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? C'est un peu difficile de... Alors... D'en percevoir la substantifique moelle, comme ça, spontanément. Là. C'est parce que vous vous sentez pris au piège, monsieur le procureur. Ce schéma étant si clair. Quelle est la portion la plus représentée sur ce schéma ? La médecine de premier cours. Les spécialistes sont donc moins nombreux. Visiblement, selon ce schéma. Merci. C'est tout. Vous avez d'autres questions ? Une dernière, Madame la Présidente. Considérez-vous que le bien-être et l'épanouissement personnel permettent d'être plus efficaces au travail ? Indéniablement, oui. C'est donc dans l'intérêt des patients que les médecins se sentent bien dans leur tête et dans leur peau et dans leur vie de famille ? C'est indéniablement dans l'intérêt des patients que les soignants se considèrent également comme étant bien et se sentent bien. Et quand je parle des patients, des soignants, je ne parle pas seulement des médecins spécialistes, je parle également de toute la chaîne de la médecine et du soin, c'est-à-dire justement aussi le premier cours dont j'ai décrit une partie des intervenants juste avant. Je vous remercie, je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci maître, merci madame le témoin. Je passe maintenant au témoin de la défense. Et j'appelle à la barre la docteure Sandy Esterman. Vous êtes bien, bonjour madame, vous êtes bien madame Sandy Esterman? Oui. Pouvez-vous nous donner votre année de naissance, domicile professionnel et profession ? 1976, je suis médecin interne général et je travaille à Lausanne. Dans la mesure où vous êtes donc une des nombreuses filles d'Hippocrate, vous avez le droit de refuser de témoigner. Est-ce que vous acceptez néanmoins de répondre à nos questions ? Évidemment. Vous êtes donc médecin généraliste. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre le fonctionnement d'un cabinet généraliste et j'entends par là quelle est votre activité finalement au-delà de la consultation des patients? Mon activité au-delà de la consultation des patients? Sur le plan administratif. En fait, la question que je vous pose, c'est celle de savoir ce que vous pouvez nous dire de vos conditions de travail. Est-ce que vous estimez qu'elles sont bonnes? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, j'arrive au cabinet à 8 heures le matin. J'y repars entre 18 et 19 heures. Je commence mes consultations à 9 heures. Donc, je passe une heure à faire de l'administratif. Je mange devant mon ordinateur.
Et donc, où je continue à faire de l'administratif. Donc, je consulte en fait de 9h à 13h. Je reprends mes consultations de 14h à 18h. Et je fais de l'administratif généralement encore après, jusqu'à 19h, 19h30. Si je mange devant mon ordinateur, c'est que j'ai une vie de famille et que j'aimerais arriver le plus vite possible à la maison. Je vous remercie pour votre réponse. Et je passe la parole à Maître El Kaïm. Merci. Encore une fois, Madame la Présidente. Docteur, pouvez-vous me parler de votre rémunération ? Alors, pour vous parler de ma rémunération, il faudrait déjà que je vous explique mon métier. Voyez-vous, la maladie est un colocataire qui est très envahissant. Les êtres humains sont bien plus que des diabétiques, des insuffisants cardiaques, et des dépressifs ou des schizophrènes. Et donc, voir la place de ce colocataire, hein, comment est-ce que, quelle place il prend, comment le patient le voit, comment est-ce qu'il le considère, comment est-ce qu'il l'ignore, où est-ce qu'il collabore, est extrêmement important. Aider le patient à remettre son colocataire à sa juste place est très important pour qu'il puisse après rester en santé le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle en fin de compte de la prévention. Mais la rémunération TARMED n'accorde aucune importance à la rémunération. Donc, moi, je suis autorisée à facturer 20 minutes de consultation. Et pour justifier le temps que je passe avec mon patient, alors je rajoute explication par le spécialiste, information au patient ou prise en charge psychosociale. Merci. Pouvez-vous me parler un petit peu du rôle de prévention du médecin de premier recours ? La prévention du médecin de premier recours, ben elle est quotidienne. Maintenir les gens en santé. Ben, disons que les gens, ils aimeraient la baguette magique. Ils aimeraient qu'on leur trouve le médicament qui font qu'ils iront bien. Ils arrivent avec un problème de dos, mais ça les embête d'aller chez le physio. Et puis surtout, encore, ils y vont chez le physio, mais ils ne vont pas faire la demi-heure quotidienne pour aller mieux que le physiothérapeute va leur enseigner. Donc, en fin de compte, on fait de la prévention en expliquant ça, en fait. Qu'est-ce que c'est la santé, l'investissement qu'on doit y mettre, de l'activité physique. On est des homo sapiens, on a été chasseurs-cueilleurs pendant 290 000 ans. Ça fait seulement 50 ans qu'on a des transports publics. Et, donc, en fin de compte, on est fait pour marcher. On sort son chien. Donc, de la même manière, on doit sortir l'être humain plusieurs fois par jour, les 10 000 pas. Et donc, tout ça, bah, c'est des explications qu'on prend dans notre consultation. Leur apprendre à manger aussi. Parce qu'on croule devant l'obésité. Il y a une explosion de l'obésité. Mais c'est vrai que la plupart des gens nous disent, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi je ne mange pas. Je fais, ça, je suis désolée, ce n'est pas explicable par la science. Donc voilà, on doit promouvoir la santé. Je vous remercie. Est-ce que, c'est un peu une double question, est-ce que vous avez le sentiment que vous et vos frères et sœurs travaillez beaucoup, et est-ce que vous avez le sentiment malgré tout que l'éthique reste au cœur de votre pratique à vous et à vos frères et sœurs ? Je vais prendre du temps pour répondre à cette question, parce qu'il y en a deux. Est-ce qu'on travaille beaucoup ? Ben, un médecin assistant est salarié et il est tenu de travailler 50 heures par semaine. Et les heures supplémentaires sont quotidiennes, enfin, sont une réalité. Alors, en tant que, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent moins qu'un salarié. Nous, on travaille énormément. Mais, en fait, aujourd'hui, il ne suffit plus d'être un bon médecin. Il faut aussi être une bonne épouse, une bonne mère de famille, une bonne fille qui prend soin de ses parents vieillissants, une bonne copine, et puis il faut être heureux. Tout ça n'est plus ces exigences-là que l'accusation appelle développement personnel et familial.
Ce ne sont plus des exigences qui sont uniquement réservées à la femme, mais ce sont des exigences de la société. Maintenant, est-ce qu'on est toujours éthique dans notre travail? Eh ben, je dois admettre qu'en tant que fille d'Hippocrate, je suis assez choquée que mon papa soit sur les bancs des accusés. Je connais bien sûr énormément de mes frères et sœurs d'origine de tout type et de toute fonction. Mais j'en ai rencontré aucun qui n'avait pas l'intention de respecter l'éthique médicale. Alors bien sûr, comme dans toute famille nombreuse, hein, il y a toujours des anarchiques qui n'adhèrent pas aux valeurs, mais cela reste une infime minorité. Maintenant, je n'ai jamais rencontré d'altruiste non plus. La témoin parlait de vocation. Non, l'être humain fait toujours les choses pour son propre intérêt. Mais de faire de la médecine pour son propre intérêt est tout à fait compatible avec le bien commun. Du reste, Aristote disait que la générosité était de l'égoïsme éclairé. On va faire médecine, on est médecin parce qu'on aime améliorer la qualité de vie des gens en prenant soin de leur santé, parce qu'on aime le travail de Sherlock Holmes, trouver le bon diagnostic, le bon médicament, parce qu'on aime faire avancer la science à travers des études. Et puis, quand on n'y arrive pas, quand on se trompe de diagnostic, quand on donne le mauvais médicament, quand on se plante dans notre chirurgie, eh ben, on va le vivre comme un échec. Cela amène à un sentiment désagréable, voire des dévastateurs. Et la somme d'argent qu'on touche n'y change strictement rien. Je donnerai encore un autre exemple. Un entrepreneur chocolatier voit toujours d'un mauvais œil qu'une autre chocolaterie s'installe dans sa rue parce que son objectif n'est pas l'accès au chocolat de la population, mais bien de gagner un maximum d'argent avec son entreprise. Si les médecins réfléchissaient comme ça, eh bien les généralistes n'en auraient strictement rien à faire, qu'on ne soit pas assez sur le marché pour répondre à la demande. Les spécialistes demanderaient proactivement un moratoire sur l'installation de leurs semblables, et les médecins qui veulent prendre une retraite bien méritée ne retarderaient pas celle-ci jusqu'à trouver un repreneur pour prendre soin de leurs patients, d'autant plus aujourd'hui où le pas de porte n'est plus d'actualité. Mais on est droit dans notre éthique. Ça fait des années qu'on dit à nos autorités, qu'on les alerte sur la pénurie des médecins. On descend dans la rue pour manifester contre le moratoire sur l'installation de nos semblables. On a même posé un carton jaune à l'État vaudois pour sa politique de santé. Mais nous crions dans un désert face à des autorités aveugles, sourdes, mais malheureusement pas muettes. Et nous avons été scandalisés. Nous avons été scandalisés il y a un mois quand nous avons lu le projet de santé publique de l'État de Vaud, qui ne parle que de contrôler et réguler la profession médicale, mais aucune ligne, sur augmenter le nombre de places universitaires pour former plus de médecins. Pire, le peu de places pour nos étudiants de stage en hôpitaux, nous devons maintenant les partager avec le corps infirmier. Maître Caïm, puis-je passer la parole à l'accusation ou avez-vous encore une question? Absolument, Madame la Présidente, j'ai terminé. Je vous remercie, Maître Caïm. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Je vous remercie. Docteur, il est notoire que la rémunération des médecins spécialistes est très largement supérieure à celle des médecins généralistes. Est-ce que vous trouvez ça juste? Juste par rapport à qui? Vous voyez, quand moi, je suis appelée pour un infarctus à domicile un dimanche après-midi, je suis moins payée que le serrurier qui vient ouvrir la porte. Alors, il est difficile, en fin de compte, de juger. Moi, je suis payée au temps que je consacre. Alors oui, on pourrait faire une rémunération au temps, mais celle-ci devrait aussi prendre en temps en compte, pas seulement le temps qu'on fait pour faire l'acte, mais le temps qu'on a pris pour l'apprendre et pour savoir quand il est juste de le faire.
Donc, si je vous comprends bien, vous ne plaidez pas pour un rééquilibrage des rémunérations entre spécialistes et généralistes ? Alors, j'ai pas dit ça, non ? C'est un peu ce qu'on a cru comprendre. Je dis que je suis... que je trouve difficile, en fin de compte, de trouver la rémunération juste pour ce que les gens font. Et oui, il y a des fois où, effectivement, je trouve que les spécialistes sont trop bien payés pour certaines choses. Et après, je trouve qu'ils sont payés correctement pour d'autres. Est-ce que je peux encore poser juste une dernière question ? Monsieur le procureur. Je vous remercie infiniment. Êtes-vous pour ou contre le maintien du système de tarification actuel ? J'ai très peur de celui qui va arriver. Je dirais que la médecine n'est pas une science exacte et il serait important que ceux qui réfléchissent à la tarification s'en rendent compte. L'être humain n'est pas une machine. On ne peut pas dire, tiens, on va changer le boulon, ça va coûter tant. Et donc, quand on acte au forfait, on acte au diagnostic, hein, au forfait, je ne sais pas, moi je me dis là maintenant, si je dois... Moi, il y a 80% de mes patients qui sortent de ma consultation, ils n'ont pas de diagnostic, ils ont une probabilité. Donc, si maintenant je suis payée au diagnostic, ben ça va peut-être augmenter les coûts de la santé. Je vous remercie, Madame le témoin. Je vous laisse regagner votre place. J'appelle à la barre le deuxième témoin de la défense, la doctoresse Johanna Sommer. Vous êtes bien Johanna Sommer. Puis-je vous demander votre année de naissance, domicile professionnel et profession ? 1964, mon domicile c'est Meynier, maison de santé Meynier et l'université de Genève. Et je suis médecin de famille, interniste généraliste et également enseignante à la faculté de médecine pour la médecine générale. Je vous remercie. Est-ce que vous acceptez de répondre aux questions malgré votre lien de parenté avec l'accusé ? Je suis ravie de revoir papa. Donc je vous rappelle que vous devez dire la vérité, le faux témoignage étant passible d'une peine privative de liberté jusqu'à 5 ans. Donc on a vu que le corps médical n'est pas homogène et qu'il y a de fortes disparités selon les domaines d'activité, on vient d'en parler. Est-ce que vous vous sentez solidaire de tous vos collègues médecins ? Alors nous sommes une famille très nombreuse. Dans toute famille, il y a des brebis galeuses. Néanmoins, je me sens très solidaire du corps médical dans son ensemble, un peu plus proche de mes frères et sœurs très proches médecins de famille. Je vous remercie pour votre réponse et je passe la parole à Maître El-Kaïm. Merci. Vous avez eu connaissance des divers comportements qui sont reprochés indirectement à Hippocrate par les actes de ses enfants et donc de vous. Avez-vous déjà constaté certains de ces comportements, et si oui, avez-vous déjà constaté certains de vos frères et sœurs se faire sanctionner pour ces comportements ? Alors, bien sûr qu'il existe des actes. Actuellement, il serait difficile de ne pas dire que la Suisse ne fait pas trop d'actes médicaux qui sont parfois d'utilité très discutable. Néanmoins, j'aimerais quand même le dire que nous sommes dans une société, je crois que ça a déjà été dit, dans laquelle il y a une très forte pression sociétale pour en fait considérer la maladie comme une erreur de programme et la mort comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Et du fait qu'on paye des primes, on devrait avoir une restitution de son corps ad integrum, comme s'il n'y avait pas eu de maladie et qu'on n'allait pas à la mort. Et donc dans ce système, nous les médecins, nous effectivement, je pense, nous contribuons à une sorte de course en avant effrénée où des fois nous nous prenons au jeu d'espérer pouvoir aider ce patient à ne pas
souffrir de telle maladie et ne pas aller vers l'inéluctable. Mais je dirais que je pense que notre père nous a clairement donné les indices pour essayer de trouver la bonne voie. Il y a de plus en plus d'initiatives pour essayer de clarifier quels sont les actes réellement nécessaires. On s'est un peu pris, j'avoue, dans les dernières décennies, à cette technologie incroyable qui nous a fait croire un moment que la médecine pourrait tout. En ce moment, je vois quand même beaucoup plus d'initiatives qui se battent pour une médecine durable, pour une médecine qui cherche à être utile et efficiente et à renoncer à des actes inutiles. Je vous avoue que pour avoir moi-même une patiente de 99 ans, quasi aveugle, qui ne voulait que mourir et arriver à l'hôpital un jour où malheureusement l'infirmière et moi n'ont pas pu être, ils n'ont pas pu nous atteindre assez vite, ils l'ont envoyée à l'hôpital, elle a eu des stents posés dans ses coronaires. Et je trouve ça absolument absurde, mais quand j'ai appelé le médecin, il m'a dit « Oh, mais je la trouvais tellement bien, elle avait tellement bien toute sa tête. » Et il ne l'a pas fait à but mercantile, il l'a fait dans un but d'aider son prochain, d'aider cette patiente qu'il trouvait très bien. Et je crois que c'est là où nous tous, la société, nous devons trouver un chemin pour mettre des limites à l'utilisation de nos ressources absolument incroyables, en Suisse malheureusement encore plus grandes que dans d'autres pays, et qui nous font faire, à nous tous ensemble, mais je pense que c'est un problème de société, trop de choses, avec des gens, on investit une grande quantité de l'argent pour les dernières semaines de vie, on pousse encore à la dernière chimiothérapie, mais quand on demande à quoi ça sert, on gagne 4 semaines de vie, et ça on ne le sait pas, parce qu'on espère toujours repousser la mort et la maladie. Mais je crois que c'est nous tous, en tant que société, qui poussons à cette consommation. Et la médecine est malheureusement devenue un produit de consommation, comme tout autre. Et on paye nos primes, donc on a droit à notre santé. Je n'ai pas répondu aux sanctions. Oui. Les sanctions que j'ai vues porter, malheureusement, je n'ai jamais vu de sanctions pour ces quelques brebis galeuses qui tirent profit quand même du système. Par contre, j'ai vu beaucoup de mes collègues médecins de famille qui reçoivent la fameuse lettre de Santé Suisse qui les accuse d'être trop dispendiaires et trop chers parce qu'ils s'occupent de malades, très chroniques, qui prennent beaucoup de temps et on les accuse d'avoir coûter trop cher à notre société, alors que ces malades-là, c'est le produit de nos comportements, de notre société, et ceux-là, ils ont une vie détruite, et je pense que là, oui, j'ai vu des sanctions très injustes. Merci. Considérez-vous qu'il est nécessaire, ou plutôt que l'existence de spécialistes est nécessaire ? Alors, je me permets de vous rappeler que nous, les médecins de famille généralistes, nous sommes des spécialistes. Donc, oui, il y a très clairement besoin de spécialistes. Et par contre, je pense que, oui, bien sûr qu'il y a besoin de toutes sortes de spécialistes. Je pense qu'il y a effectivement besoin d'une beaucoup plus grande part de médecins de famille généralistes, parce que ça a été prouvé, on le sait. Toutes sortes d'études ont prouvé que les sociétés qui ont le meilleur état de santé sont celles où il y a le plus grand nombre de médecins de famille. Et je ne sais pas pourquoi notre société ne veut pas voir ça, ne le met pas en place, et qu'il n'y a pas plus de pression pour ça, parce qu'il faut vraiment plus de médecins de famille qui sont le pilier de notre système de soins. Et si l'on regarde vraiment de quoi a besoin la population, elle a besoin de médecins de famille et de prévention. Et c'est la prévention et la préservation de l'environnement qui fera que la santé sera meilleure. Et donc, nous devons investir beaucoup plus dans la prévention. La Suisse est le pays qui fait le moins de prévention au monde. C'est quand même incroyable. Avec l'argent qu'on a, on devrait, si on calculait à tête froide de quoi a besoin une population, on investirait beaucoup plus dans la prévention. Alors oui, nous, les médecins de famille, on n'est pas payés pour, mais on le fait quand même. On fait de la prévention au quotidien. On conseille à nos patients qui fument de voir, de réfléchir. On essaie de les motiver avec notre entretien motivationnel à diminuer leur consommation. La même chose avec les gens qui mangent mal, qui ne bougent pas. On le fait au quotidien, mais on n'est pas payés pour. Et donc là, il manque vraiment une revalorisation de tous les actes de prévention. Je vous remercie. Madame la Présidente, je renonce à ma dernière question. Et Donc je passe la parole à Monsieur le Procureur Stoffarer. Je vous remercie, j'ai juste une seule question.
Si je ne me trompe pas, docteur, vous êtes partisane d'une pratique particulièrement vertueuse de la médecine. Est-ce que vous pensez que le système se porterait mieux si vous étiez plus nombreux parmi le corps médical à partager cette vision que vous avez, ce souci que vous avez? Je pense effectivement que nous n'écoutons pas assez notre père, comme toute génération nouvelle n'écoutons pas assez nos aînés, et que nous gagnerions à écouter davantage encore notre cher père Hippocrate, qui nous a donné vraiment tout ce qu'il fallait pour être outillés pour une médecine éthique, respectueuse de l'environnement. Le premier paragraphe du serment d'Hippocrate parle de l'enseignement, et Dieu sait qu'il est important de former la relève. Nous avons la chance dans notre maison de santé d'avoir régulièrement des jeunes médecins en formation, et nous voyons leur avidité d'apprendre ce métier de proximité, de médecine communautaire et de partage. Et je vois que la jeune génération, elle nous dit, mais c'est pour ça que j'ai fait médecine, c'est pour cette médecine de proximité, de contact avec la population, de prévention. On va marcher avec nos patients une fois par semaine, et je crois que ce contact, cette médecine de valeur est vraiment valorisée par la jeune génération, pour autant qu'on les laisse la faire comme on aimerait qu'elle soit faite et comme notre père Hippocrate nous enjoint, nous encourage à le faire, vraiment. Je n'ai pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Merci Madame Lecoma. Voilà, nous avons donc entendu tous les témoins. S'il n'y a pas d'autres réquisitions, je vais clôturer l'instruction et nous allons passer aux plaidoiries. Donc nous allons commencer par le réquisitoire du ministère public. Monsieur le procureur Stoffacher, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les éminents membres du jury, l'accusé ne mesure manifestement pas toute la chance qui est la sienne. Non pas d'être ici devant vous aujourd'hui pour répondre de ses actes, ou plutôt de ses omissions. Non, je pense qu'il préférerait être tranquillement installé au soleil, sur une chaise longue, à déguster une boisson rafraîchissante, satisfait du travail accompli. Non, ce n'est pas là sa chance. Sa chance, c'est cette immense félicité, ce rarissime privilège de pouvoir traverser les siècles, de marquer l'histoire de l'humanité. Peu d'entre nous ont ce remarquable honneur. Lucie, Cléopâtre, Charlemagne, Léonard de Vinci, Michel Drucker. Qui se souviendra en revanche de nous, vous, moi, dans 100 ans? Personne. Et de mon réquisitoire, je pense, dans quelques heures, oublié. L'accusé est manifestement immortel. Et cette immortalité a un prix. Son serment traverse les âges. Tous les médecins lui reconnaissent de manière universelle et sans la moindre dissidence, une véritable autorité paternelle. On les a entendus. Papa. Et son aura, incontesté, va même en réalité encore au-delà. Beaucoup d'entre vous ici ne sont sans doute pas issus du corps médical, je l'espère en tout cas. Et je suis sûr que vous voyez en lui une figure respectable, honorable, à juste titre. Une si grande autorité implique de très grandes responsabilités. Le serment légué est exemplaire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça fait aucun doute. C'est au niveau du service après-vente que ça pêche un peu.
On nous a légué le manuel. Débrouillez-vous avec. Alors évidemment, on a entendu Hippocrate, aujourd'hui, nous décrire un système médical quasi parfait, nous faire l'éloge d'à peu près tout. Le monde merveilleux d'Hippocrate, où tout va pour le mieux, la médecine est exactement ce qu'elle devait être. La bouteille à l'eau que j'ai eu l'intelligence de jeter il y a de ça 2500 ans est arrivée juste là pour créer ce système médical. Mais Hippocrate, vous êtes dans le déni. Je me fais du souci pour vous. Il faudrait consulter. Les dérives sont absolument patentes, n'en déplaise à tout ce qu'on a pu entendre. Aujourd'hui, certains des témoins entendus l'ont évoqué à demi-mot. On voit que ça brûle les lèvres. Mais les médecins le disent eux-mêmes, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Le président de l'ASSM a dit lui-même que le système allait dans le mur. Le système va dans le mur, le président de l'ASSM, l'Association suisse des médecins. On voit dans la presse qu'on parle d'indécence. C'est des mots qui sont extrêmement forts. On parle d'indécence, il s'agit de médecins dont on parle. On dit qu'ils sont indécents, cupides, injustes. Et il n'y aurait pas de problème. Non, tout va pour le mieux. La dérive est là. C'est précisément cette médecine qui se rêve en marché comme un autre, où les soins sont devenus des produits à commercialiser et les patients des consommateurs potentiels, où la logique de profit prend le pas sur toute autre forme de considération et où l'on accorde plus suffisamment de temps à l'essentiel, le patient, les soins, avec humilité. Alors oui, oui, évidemment, nombreux sont les médecins qui ont toujours eu à cœur d'avoir une pratique vertueuse, irréprochable, et se soucient continuellement des valeurs éthiques et morales. Ils méritent naturellement d'être salués, d'être acclamés. C'est évident. On en les a vus aujourd'hui. La défense nous dresse une sorte de village Potemkin. Pour essayer qu'on ne parle pas des autres, parce que c'est bien d'eux qu'il est question aujourd'hui. Le ministère public n'est pas là aujourd'hui pour soutenir que Hippocrate a délaissé les bons élèves. Évidemment non. On est là pour parler de ce que la doctoresse Sommer a évoqué elle-même comme les brebis galeuses. Alors, on nous dit que c'est une portion tout à fait congrue du corps médical. Bon, j'ai quelques doutes là-dessus, sans doute un petit peu plus consistant que ça. Ce sont des membres de la fratrie. Et ces membres de la fratrie, les vertus hippocratiques, elles ne leur parlent pas de manière tout à fait évidente. Voyez ? Alors ils s'égarent. Ils s'égarent. Et je ne suis pas là, encore une fois, non plus aujourd'hui, pour les accabler, eux. Je ne suis pas là pour leur jeter la pierre. Pas du tout. C'est de leur papa dont ils ont besoin. On l'a entendu, encore une fois, il n'y a pas 5 minutes. Ils ont besoin de leur papa, de son soutien. Où diable est-elle accusée dans tous ces moments ? Dans tous ces moments, aussi petits soient-ils, où les valeurs morales qu'il incarne, pardon, auraient concrètement pu faire la différence ? Où était-il alors que chacune des interventions qu'il aurait pu avoir auprès d'eux, en les prenant auprès de lui, en leur disant « Non, ça c'est pas bien là, non, faut faire autrement. » Ça aurait permis, parce que finalement, les dérives du système actuel, elles viennent de toutes ces petites omissions, de tous ces petits actes où on s'égare.
des prestations qui sont facturées un petit peu en trop. Un manque d'égard pour les autres professionnels de la santé. Ce satané instrumentiste. Le manque d'égard aussi face à la détresse, je le concède, parfois subjective de certains patients. Mais finalement, il faut l'entendre aussi. Alors ces patients, des fois, on les évacue un peu vite parce que finalement, ils nous agacent. Ça existe aussi. Évidemment, les témoins qui ont été entendus aujourd'hui ne sont pas de ce genre-là. On parle bien des autres, ceux qui doivent redevenir sur le droit chemin. Écoutez leur papa. Où était-il, Hippocrate, quand ils avaient besoin de lui? Eh bien, comme Edward Smith, capitaine du Titanic, il avait quitté le pont. Quitté le pont. Satisfait de lui-même. Content. Le travail accompli. J'ai fait le job, mon serment. Hop. Et confiant aussi, et c'est important, dans le caractère insubmersible du navire qui est le sien et qu'il a créé. Navire qui, entre nous soit dit, est lancé à vive allure sur une mer d'huile parsemée de quelques icebergs. Alors, en préparant ce procès, je me suis posé la question, finalement, aura-t-il l'audace de jeter la responsabilité sur l'équipage? Cette satanée vigie. Mais c'est une exception, ce n'est pas vraiment le corps médical, c'est les brebis galeuses, elles ne font pas partie de la famille, enfin un peu, mais pas tout à fait. En tout cas, quand il s'agit de vous dépeindre un tableau parfait, il ne faut pas les prendre en compte. Pire encore, je me suis dit, osera-t-il jeter la faute sur l'équipe, pas l'équipage, pardon, sur les passagers? Les passagers. Franchement, ces gens qui veulent arriver si vite aux États-Unis. On l'a entendu? Eh bien oui, il a osé. Il a osé. Et ça laisse quand même perplexe sur le niveau de prise de conscience qui est le sien. Il n'y en a aucune. Et si lui-même est incapable de se remettre en question, ne serait-ce qu'un tout petit peu, comment diable ceux qu'il est censé guider, ses enfants, pourraient-ils bien apprendre à le faire? Parce que c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de ça qu'on parle, de la déresponsabilisation collective. La déresponsabilisation collective. Finalement, tout le monde profite un peu du système. Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? On a le même problème avec la lutte pour le climat. Vous voyez? C'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, il y a des problèmes environnementaux qui se posent avec la médecine actuelle aussi. Mais finalement, si mon voisin prend sa voiture pour monter au chalet, bon, je ne vois pas pourquoi je roulerai à vélo. L'avantage avec le climat, c'est que la politique peut agir. Et la réglementation. Pour les médecins, c'est plus compliqué. Parce que finalement, on risque de violer la liberté économique. Et donc, on a besoin de cette figure paternelle qui vient, comme le cricket Jiminy, vous voyez, dire « Non, là, tu ne devrais pas. Il faudrait faire autrement. Accueillir ce patient. » Alors oui, l'accusé a manifestement failli dans son rôle de père. Il a violé son devoir d'assistance et d'éducation de ses enfants. Pas de ceux qu'on a vus aujourd'hui, encore une fois, mais de ceux dont on a un peu moins parlé. Et il mérite d'avoir un papa. Et je ne doute pas que vous saurez le reconnaître. La culpabilité est à la hauteur du tort causé, considérable. Au-delà des dérives du système, l'accusé a causé un tort non seulement à ses brebis galeuses, mais aussi à tous les autres. À tous les autres qui doivent endurer les critiques qu'on peut qualifier parfois de stéréotypes et qui subissent finalement les reproches et qui en souffrent sans doute, qui sont dus aux autres. Et en ne respectant pas son devoir d'éducation, finalement, il inflige ça aux autres médecins qui font correctement leur travail. À décharge, on retiendra quand même qu'il nous a laissé un serment qui inspire aujourd'hui encore de nombreux médecins.
Quoi qu'il en soit, le ministère public est d'avis que seule une peine privative de liberté peut sanctionner à sa juste valeur le comportement de l'accusé. Elle devra être limitée à 2 ans, afin de pouvoir encore être assortie d'un sursis complet. Évidemment, il serait stupide de mettre la seule personne qui peut nous sortir de l'embarras en détention. Il faudra donc assortir la peine d'emprisonnement infligée à Hippocrate d'un délai d'épreuve, d'un sursis, et avec un délai d'épreuve qu'on fixera exceptionnellement à 20 ans. 20 ans pour nous permettre, et lui permettre, d'aider les médecins qui s'égarent, avec tous les autres qui sont déjà de bonne volonté, à remettre sur les rails ce système médical où on a à cœur de maintenir ces principes fondamentaux que sont la pratique d'une médecine humaniste, désintéressée, indépendante et consciente de l'influence des éléments naturels sur la santé. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Procureur. La parole est à la Défense. Si je respecte mon serment sans jamais l'enfreindre, puisse jouir de la vie et de ma profession et être honorée à jamais parmi les hommes. Mais si je le viole et que je me parjure qu'un sort contraire m'arrive, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du jury, alors qu'il a tant fait pour nous toutes et tous, faisant jaillir ces mots de sa plume, vous faites asseoir un homme de 2430 ans pendant des heures sur le banc des accusés. Et pourquoi ? Pour lui reprocher hontément ce qui ne peut décemment pas lui être reproché. Quelle ingratitude. Le parquet reproche à mon client une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 du Code pénal. Monsieur le procureur oublie peut-être que certaines conditions doivent être remplies pour que cette infraction soit réalisée. L'infraction stipule ce qui suit. Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique ou qui manque à ce devoir est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi, pour se rendre coupable de cette infraction, diverses conditions doivent être remplies par le comportement de l'accusé. Selon Monsieur le procureur, mon client, le père fondateur de la médecine, est coupable d'avoir abandonné des générations de médecins à leur sort. Son abandon aurait provoqué toutes les dérives qu'il a largement exposées, certes que de certains peut-être. Or, non seulement les reproches que vous formulez à l'encontre des médecins contemporains sont erronés, Monsieur le procureur, il relève de lieux communs, tels que je vous le démontrerai, mais surtout et avant tout, mon client n'est absolument pas coupable ni responsable d'éventuels écarts et doit être acquitté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du jury, vous ne pourrez vous-même pas parvenir à une autre conclusion que celle-ci. D'abord, l'infraction qui est reprochée à mon client suppose une relation de garant avec un mineur. Si les médecins présents dans cette salle pourraient s'offusquer, monsieur le procureur, que vous les traitiez d'enfants, mon client ne conteste pas le fait qu'ils sont les siens. Il n'entend pas les abandonner ce soir et se tiendra encore et toujours derrière sa progéniture. Son serment l'évoquait. Mon maître en médecine, je le mettrai au même rang que mes parents. Je partagerai mon savoir avec lui
et s'il le faut, je pourvoirai à ses besoins. Je considérerai ses enfants comme mes frères et sœurs. Mon client ne conteste donc pas ce lien de filiation. Ça suffirait ici à le disculper, mais par surabondance, pour que l'infraction qui lui soit reprochée soit retenue, il faut que mon client ait eu un devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de ses enfants et qu'il ait violé ce devoir. Alors, si Hippocrate s'est érigé en guide, il ne s'est certainement pas imposé en dictateur. L'une des grandes révolutions du père de la médecine est la mise à l'écart du divan. Privilégier une médecine rationnelle qui s'oppose à une médecine religieuse. Ce n'était de toute évidence pas pour s'ériger en prêtre dont les préceptes devraient être suivis par des fidèles sans contradictoire, sans transformation, évolution ni progrès. Ces enseignements sont un guide, une lumière et un fil directeur à disposition des générations de médecins qui lui ont succédé. Hippocrate ne pouvait pas faire plus que cela. Ses enfants sont habités de libre arbitre et ont tout le loisir de s'en écarter. Il n'avait donc pas de devoir, il n'avait pas d'obligation, mais il a bien plutôt fait un cadeau immense à nous toutes et tous, nous permettant aujourd'hui encore de jouir d'une médecine humaine et éthique. Et pourtant, pas d'obligation, pas de devoir, mais aujourd'hui encore, la médecine est fondée sur ces enseignements. Les médecins sont encadrés par une éthique ancrée, orientée autour du patient, de l'humanité et de la dignité, avec des principes cardinaux tels que le secret médical. Et de leur libre arbitre, ils s'en sont servis, les enfants d'Hippocrate. Ils ont fait évoluer au fil des âges le serment de leur maître pour que celui-ci soit plus juste, plus adapté à leur époque, mais sans jamais en perdre son essence. La déclaration de Genève de 1948, édictée par l'Association médicale mondiale, a évolué, a été modifiée 8 fois. La dernière modification date de 2020. En qualité de membre de la profession médicale, je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité. Je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. Je veillerai au respect absolu de la vie humaine. Je ne mettrai pas des considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité, de croyance, d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s'interpose entre mon devoir et mon patient. Je respecterai les secrets qui me sont confiés, même après la mort de mon patient. J'exercerai ma profession avec conscience et dignité dans le respect des bonnes pratiques médicales. Je perpétuerai l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale. Je témoignerai à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la reconnaissance qui leur sont dus. Je partagerai mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé. Je veillerai à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables. Je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains, les libertés civiques, même sous la contrainte. Je fais ces promesses sur mon honneur, solennellement, librement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du jury, même si on devait reconnaître à mon client ce devoir d'assistance ou d'éducation, vous ne pourriez qu'arriver à la conclusion qu'il ne l'a pas violé, ses enseignements étant de toute évidence encore, aujourd'hui, la lumière de la médecine contemporaine. Il a donc parfaitement rempli son rôle de garant. Mais, monsieur le procureur, vous le savez, pour que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation puisse être retenue, faut-il encore que cette violation ait provoqué une mise en danger? Selon l'accusation, la violation du devoir de mon client aurait provoqué, on l'a répété plusieurs fois, toute une série de dérives graves de certains, constituant ainsi une mise en danger. Mais les comportements reprochés aux enfants de l'accusé le sont à tort. Le procureur fait fi
du fait que les médecins sont des individus de notre société comme nous tous. Ils sont contraints de s'adapter à la société, à ses demandes et à ses exigences. Et c'est à juste titre qu'ils le font, tout en demeurant fidèles aux principes fondateurs déjà évoqués. Ainsi, les comportements relevés par le parquet ne sont simplement pas justes. Vous m'imposez, monsieur le procureur, l'exercice de les passer en revue. Encourager, dans un intérêt purement mercantile, des patients à entreprendre des traitements médicaux coûteux à l'utilité souvent limitée. C'est faire fi du fait que les patients sont de plus en plus demandeurs de solutions, et ce, à tout prix. Ils sont pourtant prévenus des risques de tout traitement. Et surtout, ce sont les médecins qui encourent une lourde responsabilité, éthique, civile, et éventuellement pénale, s'ils se fourvoient dans la prescription. Privilégier, dans un souci d'enrichissement personnel, une pratique médicale ultra spécialisée en lieu et place de l'exercice moins rémunérateur de la médecine générale et de la santé publique. On l'a vu, plus de la moitié des médecins aujourd'hui sont encore des médecins de première cour. Cette affirmation fait donc non seulement offense à ces derniers, qui assurent un rôle primordial, notamment de prévention, mais cela fait également offense aux spécialistes qui répondent aux demandes de la société. La société a besoin de spécialistes. Il est fallacieux de soutenir que ceux qui empruntent cette voie le font uniquement dans un souci d'enrichissement personnel. Négliger, en raison des subtilités du système de tarification, de consacrer un temps suffisant au développement, pourtant essentiel, de la relation personnelle avec les patients. Si cela arrive, de qui est-ce la faute ? D'Hippocrate ? De ses enfants ? Je ne crois pas. Les autorités et les assureurs forcent les partenaires de santé à réduire par le système tarifaire le temps qu'ils peuvent accorder à chaque patient. Succomber à la facilité pernicieuse et souvent délétère d'un recours systématique aux technologies médicales, miroir aux alouettes de la médecine contemporaine, et ainsi ignorer qu'une interaction harmonieuse avec l'environnement constitue un principe de base de la santé. Il s'agit là d'un lieu commun sans fondement. Quelles sont les sources du parquet lui permettant de soutenir que non seulement le recours aux technologies est systématique, qu'il est délétère et qu'il prive d'interactions harmonieuses ? Au contraire, et je me répète, la société jouit du libre choix de son mode de vie et d'un libre choix de sa consommation, à tout le monde dans nos latitudes. La demande de la société tendant à augmenter les performances de la médecine dans un esprit de progrès positif ne peut être ignorée au détriment de mon client et ses enfants. Mais soyons honnêtes, qui de vous, monsieur le procureur, qui de vous, madame la présidente, et qui de vous, mesdames et messieurs du jury, renoncerait à la meilleure qualité de la médecine possible pour vous-même ou l'un de vos proches. Faire passer leur épanouissement personnel et familial avant la grande disponibilité aux patients, que suppose pourtant en principe la vocation médicale, rendant ainsi illusoire pour ces derniers toute perspective de pouvoir disposer d'un rendez-vous dans un délai un tant soit peu raisonnable, les contraignant par la force des choses à se rendre dans diverses permanences où il leur est ensuite reproché, après plusieurs heures d'attente et de manière souvent peu agréable, le caractère non urgent de leurs conditions. À nouveau, il s'agit là d'une allégation sans fondement. Ces délais d'attente sont dus à la pénurie des médecins que les organisations professionnelles n'ont de cesse de signaler. Formuler ces reproches à l'égard des enfants de mon client est tout simplement inadmissible, tellement il va de soi, et les témoins de la partie adverse l'ont admis, tellement il va de soi que leur épanouissement personnel et familial est indispensable au bon traitement des patients. Accepter pour un mobile égoïste directement ou indirectement des avantages de la part de groupes pharmaceutiques et autres fournisseurs de matériel et consommables en tout genre, moyennant l'engagement express ou tacite, de privilégier ensuite le recours à leurs produits et services. Je rappelle que ce comportement est strictement proscrit par les codes de déontologie médicale. S'il peut y avoir des cas, il serait le fait certain, et non pas la responsabilité d'Hippocrate. Car ceux qui s'y attelleraient seraient sanctionnés s'ils sont découverts, preuve à nouveau que le cadre posé par Hippocrate demeure et que ses enfants, aujourd'hui encore, en sont le messager.
Adopter un comportement ou tenir des propos peu amènes ou inconvenants envers certains collègues, subordonnés et autres collaborateurs. Là encore, ce comportement, s'il peut être observé parfois et s'il doit être fermement dénoncé et fermement combattu, et fort heureusement le fait de certains et non de tous, lorsqu'ils sont dénoncés, ils sont sanctionnés. Et enfin, parce que oui, monsieur le procureur, vous aviez beaucoup de choses à reprocher à mon client et à ses enfants, rabâcher à qui veut bien l'entendre que les très longues études réalisées justifient la plupart des errements précités. Les errements précités n'en étant pas, je ne m'attarderai pas sur ce reproche chicanier. Comme vous l'avez compris, je considère, et j'espère que vous aussi, madame la présidente, mesdames et messieurs du jury, j'espère que vous aussi, vous considérez qu'il est parfaitement injuste et indigne vis-à-vis de la grande majorité, cette majorité qui voue son quotidien et son énergie à assurer une médecine conforme aux enseignements de leur père, mais adaptée à leur époque comme adaptée aux besoins des patients, que vous considérez qu'il est parfaitement injuste et indigne que de leur reprocher tout ce qui précède. Certains comportements d'une infime partie d'individus ne peuvent être retenus ni à l'encontre de tous, ni à l'encontre de mon client. Ce d'autant que l'ensemble condamne et sanctionne les comportements, ce qui démontre bien que les écarts reprochés par le ministère public ne sont rien. Surtout, je vous pose la question, qu'en serait-il si Hippocrate n'avait pas été là? Ces dérives, et bien pire, seraient vraisemblablement la réalité de notre médecine. Compte tenu de tout ce qui précède, vous ne pouvez pas, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurys, retenir qu'il y a en effet eu une mise en danger. On impute à mon client la responsabilité des dérives. Pourquoi ne reconnaissons-nous pas plutôt les mérites de ses enfants, qui, de ses enseignements, ont su pousser la médecine afin d'atteindre les objectifs qu'il a hissés? Refaire marcher des paralysés, faire entendre des malentendants, rendre la vue à des non-voyants. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurys, ne vous ralliez pas à la cause du parquet. Cette cause qui soutient que les enfants, les jeunes ne sont plus aussi bons, plus aussi engagés, que c'était mieux avant. Au contraire, inspirez-vous d'Hippocrate, qui a eu confiance en ses enfants, confiance qu'il saurait faire un usage juste de ses enseignements tout en les faisant évoluer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Hippocrate n'avait pas le pouvoir de diriger des générations de médecins. Il n'avait pas le pouvoir de diriger des brebis galeuses. Mais il est fier de ses enfants. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du jury, je voulais démontrer les conditions pour retenir l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 du Code pénal ne sont pas remplies. Par conséquent, je conclus au nom de mon client à ce qu'il soit libéré de ce chef d'accusation et je conclus encore en titre d'indemnisation pour le fait qu'il ait été attrait pour rien devant votre cour à ce qu'un peu plus de reconnaissance soit accordée à ses enfants. Je vous remercie. Merci, maître. Est-ce que le représentant du ministère public souhaite répliquer? Je ne résiste pas, mais 2 minutes. Vous avez 2 minutes, monsieur le procureur. Ne courez pas trop vite. Non, mais je vois que des gens partent. Je ne vous en veux pas, je vous comprends. Mais je serai très, très bref. Une remarque. Les parents de l'ensemble de ce pays et probablement du monde entier sont très heureux d'apprendre qu'il suffit de dire une seule fois les choses aux enfants pour avoir la paix ensuite. Non, pour le reste, on voit bien que Hippocrate a depuis très longtemps quitté le navire. J'évoquais dans mon réquisitoire Edward Smith,
capitaine du Titanic, qui lui au moins aura eu le mérite à un moment donné de prendre conscience des problématiques engendrées. J'aurais peut-être dû plutôt parler du commandant Schettino, alias Captain Couard, qui a très vite quitté le navire lui aussi. Non, plus sérieusement, ces deux histoires se terminent par un naufrage. Et j'espère vraiment, vraiment, que la peine que vous infligerez à Hippocrate nous permettra d'éviter de prendre l'eau. Merci beaucoup. Merci, monsieur le procureur. Maître El-Khaïm, vous souhaitez dupliquer ? Je ne peux pas y résister non plus, du coup. Je me contenterai de dire, madame la présidente, mesdames et messieurs du jury, que monsieur le procureur semble vouer une passion un peu inquiétante pour les bateaux. Cela doit vous laisser juger de sa capacité et son discernement, et que vraisemblablement son acte d'accusation le reflète, c'est tout. Merci, maître El-Khaïm. Le dernier mot est à l'accusé. Hippocrate, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je ne vais pas être long, hein, mais... Et je ne répondrai pas aux insignifiantes volutes verbales du procureur, qui est un extraordinaire amuseur public, vous l'aurez remarqué. Ce n'est pas mon rôle de répondre, donc voilà. Mais du haut de mon grand âge et de mes siècles, quand je regarde la crise du système de santé, je me dis, ce n'est pas une crise économique et ce n'est pas une crise que gestionnaire. Quelque chose est en train de lâcher. On vit un moment extrêmement grave, je trouve, de l'époque, vu d'où je suis. Quelque chose lâche du côté des valeurs, du but, du tissu social, et quelque chose vraiment de très profond. La logique d'humanité qui gagne est celle du pouvoir décomplexé, arrogant, méprisant les faibles et qui vise le toujours plus. Même les démocraties choisissent cela. Que les gens qu'ils proposent soient fous n'y changent rien. Regardez ce qui arrive, soyez lucides. Regardez-le, ce pouvoir arrogant. Regardez le bientôt dirigeant d'une grande démocratie de l'autre côté de l'Atlantique qui choisit un complotiste anti-vax comme ministre de la Santé. Et en même temps, et parce que c'est ça qui doit nous travailler, parce que voilà, le système de santé est en crise, mais enfin, regardons le futur, regardons ce qui arrive. Regardons la médecine qui va vers toujours plus d'efficacité technologique, et comme il a été dit, en soi, c'est une bonne chose, c'est la grande aventure de l'humanité que cette efficacité qui permet de soigner les malades, de guérir, d'améliorer les handicaps, etc., etc. C'est notre révolte contre la maladie, la mort, et ça fait de nous des humains. Mais en même temps, maintenant, on est dans un moment extrêmement étrange d'une possibilité de transformer les corps. On ne sait pas jusqu'où, on ne sait pas vers quoi. On a cette intelligence artificielle qui elle-même met vraiment un trouble dans l'humanité, un trouble dans ce qui fait de nous des humains. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle? Quel rôle elle va jouer? Nul ne le sait, elle en joue déjà un majeur en médecine, elle la transforme. Et il se passe qu'on va vers quelque chose de davantage robotisé, davantage ubérisé. Vous savez, la désintermédiation, ce rapport entre humains, où on peut justement parler de ce qui fait de nous des humains. Et on voit que le vrai danger de tout ça, un des tout premiers dangers, c'est une séparation radicale entre ceux qui ont les moyens de tout payer, y compris une transformation d'eux-mêmes et les autres. C'est la solidarité. La solidarité, c'est l'esprit d'Hippocrate. Et la mort, la finitude et le sens de la vie et la force de dépasser la souffrance et la maladie, tout ça est de plus en plus oublié. On rêve d'immortalité et de toute puissance. Vous ne pouvez pas me condamner, vous ne pouvez pas condamner mes enfants parce que vous avez besoin de nous. Nous sommes les seuls qui puissent sauver les humains d'eux-mêmes.
Parce que nous sommes les témoins des humains souffrants. Il n'y a plus personne qui témoigne pour la souffrance. La société la masque, l'invisibilise, comme on dit maintenant. Nous sommes les témoins de la finitude parce que nous avons décidé d'écouter ce que disent les humains. Et particulièrement dans ces moments très riches, très forts, où ils font face à la finitude. Et il nous montre, ces souffrants, que l'imperfection est au cœur de la vie, que la vérité n'est pas dans la performance, que le vivant est construit sur l'erreur. Et ce n'est qu'à partir de tout cela qu'on peut construire un monde où les humains ne sont pas de trop, pour employer la formule de Hannah Arendt, vous savez, un monde totalitaire est un monde où les humains sont de trop. Et regardez l'ensemble des forces qui dominent l'économie, la technologie, qui volent ma peau, parce qu'ils volent ma peau, pas seulement le procureur, mais au fond, le grand danger, c'est que je disparaisse, qu'il n'y ait plus que l'économie, une gestion, un système qui fonctionne absolument comme tous les autres. Si vous me condamnez, il n'y aurait plus de pouvoir, de contre-pouvoir, pardon, plus rien, sauf des cris de souffrance étouffés par la fascination du progrès. Et nous irions dans le silence étourdissant de la technologie vers l'extinction des humains, ou tout au moins de ce qu'il y a d'humain dans les humains. Vous ne pouvez pas nous condamner, vous ne pouvez pas me condamner, mais surtout mes enfants, parce qu'ils sont parmi les rares à s'opposer à ce mouvement qui est très concrètement à l'œuvre actuellement dans nos démocraties et dans notre pays. Merci. Merci de votre jugement que j'espère favorable. Merci, monsieur l'accusé. Nous allons donc passer au vote du jury. Donc je remercie la régie de projeter le QR code qu'il vous s'agira de scanner pour pouvoir voter. Voilà. Vous y êtes ? Non. Ah, il n'y a pas de... Je vais donc passer en revue les questions qui vous sont soumises. La première question... L'accusé Hippocrate a-t-il fautivement laissé certains médecins prêter plus d'intérêt aux aspects économiques et technologiques de leur activité qu'à son incidence sur la qualité de vie des patients et à leurs besoins ? Tout le monde a pu voter. Alors, est-ce que la régie peut afficher les résultats ? La réponse est non. Question suivante. La deuxième question est la suivante. L'accusé Hippocrate a-t-il fautivement toléré que les médecins se contentent du système de tarification à l'acte au détriment de l'écoute et de la relation personnelle qu'ils doivent construire avec les patients ? Que tout le monde a pu voter. On dirait que c'est le cas. La réponse est non.
Je passe à la troisième question. L'accusé Hippocrate a-t-il fautivement laissé la pénurie de soignants annoncée et connue de longue date s'installer sans rien entreprendre de sérieux pour répondre aux besoins des patients en termes de disponibilité des soins, notamment en cas d'urgence ? Je crois que presque tout le monde a voté. Voilà. La réponse est non. La question suivante, la numéro 4. L'accusé Hippocrate a-t-il fautivement omis de promouvoir l'interprofessionnalité et une meilleure collaboration avec les professionnels de la santé qui n'ont pas suivi le même cursus et dont l'autonomie aurait pu pallier la pénurie observée ? La réponse est oui. Et j'arrive à la dernière question, la plus importante, la question numéro 5. L'accusé, Hippocrate, s'est-il rendu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ? Vérifier les résultats à la régie. La réponse est non. Fondée sur ce qui précède. Accusé, levez-vous. Fondée sur ce qui précède. Le tribunal criminel de Beaulieu rend le jugement suivant. Hippocrate est acquitté du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'État. Vous pouvez vous asseoir. Cette audience est donc terminée et il me reste à remercier très chaleureusement Charles Kléber, qui est, je crois qu'on peut le dire et même le mot est faible, qui est l'âme de l'association Disputons-nous et l'âme de toute l'organisation de ces disputes. Merci beaucoup, Charles, de nous avoir embarqués dans cette magnifique, passionnante et enrichissante aventure. Merci beaucoup aussi à Yves Burnand, qui a supervisé d'une main de maître les procès de Rumine l'année dernière déjà, et cette année encore, les procès de Rumine et de Beaulieu. Vous l'avez vu ce soir comme huissier, mais il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il a été notre véritable chef d'orchestre. Merci Yves pour ton dévouement à cet événement. Immense merci aussi à toute l'équipe de Disputons-nous qui n'a cessé d'œuvrer et croyez-moi, ils ont beaucoup travaillé pour rendre tout cela possible. Grand merci aussi aux experts Nicolas Sen, Philippe Eguiman et Yanis Papadaniel pour leur soutien absolument essentiel et avec équipe.
Grand merci aux témoins, Vincent Barras, Sophie Michaud-Gigon, Sandy Esterman et Johanna Sommer. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu et de vous être prêté à cet exercice. Immense merci aux avocats, Mélissa El-Kaïm, Michael Stoffacher, d'avoir prêté cette affaire. D'avoir plaidé cette affaire avec autant de talent. Immense merci à vous, mesdames et messieurs, les membres du jury, d'avoir activement participé ce soir. Et immense merci à notre accusé, Hippocrate, qui ressemble toujours à s'y méprendre, à Bertrand Kiffer. Un immense merci à Myriam Bazou qui est ici et qui est la présidente et qui a joué un grand rôle dans l'organisation. Voilà, je voulais dire que tu avais magnifiquement incarné Hippocrate. L'audience élevée, je vous remercie.